En live, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live exceptionnel puisque je vais jouer vos decks aujourd'hui dans ce live. Je vais prendre vos decks et je vais essayer de rush avec. On est en début de saison, donc vous le voyez, je suis à 5500 trophées. On va voir vite fait à combien est le top 100 France, top 1000 France, histoire de voir un peu où on se situe. 1600 trophées, très bien, et on devrait les atteindre. Enfin, j'espère qu'on devrait les atteindre. Vous allez m'aider à les atteindre, évidemment, en me donnant vos decks. On va un petit peu varier, je pense, dans ce live. Je vais essayer de prendre vos decks, vos vrais decks. Prendre des decks peut-être un peu plus méta, prendre des decks peut-être un peu plus troll. On va voir un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, grosso modo, l'idée aujourd'hui, c'est de jouer vos decks. Et comment est-ce qu'on va faire ça? J'en profite, je fais une pierre deux coups. Attendez, parce qu'en même temps, je suis en train de lancer le live. Il faut que je lance le tweet également qui est juste là, évidemment, comme à chaque fois en début de live. Aujourd'hui, c'est un live qui en fait est sponsorisé, c'est le premier live sponsorisé que je fais et ce live est sponsorisé par Discord. Vous avez sûrement entendu, vous m'avez sûrement déjà entendu parler de mon serveur Discord quelque part. Je le répète souvent, il y a des trucs très sympas dessus et notamment pour ce live-là, pour ce concept-là de vous me donnez vos decks, c'était pratique d'utiliser Discord et du coup une pierre deux coups comme ça, ça fait un petit live sponsorisé. Du coup, je vous montre tout de suite, mais je vais vous le répéter évidemment pendant le live. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un channel spécial qu'on a déjà créé sur le Discord qui s'appelle Donnez vos decks, vous le voyez là. Je vais aller juste ici. Alors attendez, où je suis? Je suis perdu. Là. Je vais aller juste là et je vais tout simplement prendre les decks que vous m'envoyez. Pour m'envoyer vos decks, c'est très simple. Vous allez dans votre jeu, vous allez juste ici, vous cliquez sur partager avec, vous prenez le lien et ça marche comme ça, vous l'envoyez dans le channel Discord et voilà. Oui, ça sera plus clair tout à l'heure. Alors, en tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est déjà énormément, on est déjà quasiment 1000, hein. Le temps que je fasse cette explication foireuse, c'est n'importe quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bonjour. Et du coup, on va commencer par se chauffer un petit peu. Je vais aller voir déjà ce qui se passe. Alors, attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Le tweet, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est bon, tout est bon sur le live, ok. Donc, je vous invite à rejoindre le Discord dès maintenant et à m'envoyer vos decks. Je vous l'ai dit, vous copiez le deck juste ici avec le lien. Vous l'envoyez ensuite dans le channel Discord qui est juste là. Voilà, là ça commence à arriver. Ça y est, je sens que ça va spammer aujourd'hui. Vous avez le lien du Discord dans la description de la vidéo si vous voulez rejoindre et si vous voulez m'envoyer vos decks. Vous avez juste un règlement à accepter au départ. Acceptez bien le règlement parce que sinon je ne crois pas que vous voyez le salon. Et une fois que le règlement est accepté, vous pouvez envoyer du coup vos decks dans le salon. Donnez vos decks, c'est le seul que je regarderai. Voilà, bon, apparemment, il y en a pas mal qui ont compris parce que je sens que ça va spammer. Évidemment, j'ai prévu le petit compteur qui est juste là. Voilà, compteur de victoire défaite comme d'habitude, c'est vraiment un compteur très cheap, hein, on va pas se mentir. Mais, oh, le bot qui galère. Il y a un bot, en fait, spécial, les gars, qui permet qui permet d'afficher les decks, le bot galère. Il y a tellement de liens qui sont envoyés que le bot galère à tout transformer. C'est un bordel. Merci à toi Razox pour ton don, tu ouvres le bal, salut mon deck prince ténébreux. Alors, du coup j'allais y venir, Razox, je peux pas prendre les decks ni dans le chat, ni dans les super chats, parce que déjà c'est pas pratique, et les super chats sinon c'est considéré comme de l'incitation au don, et c'est pas autorisé. Donc voilà, je suis vraiment désolé Razox, mais je peux pas prendre ton deck. Je t'invite à essayer de l'envoyer dans le chat, dans ce chat là qui est affiché sur le live, et peut-être que je tomberai dessus. Oh mais les gars, mais vous êtes on fire aujourd'hui. Attendez, j'ai pas le temps de débuter mon live. Oh, calmons-nous. Merci à toi Itake pour ton don. Bon live frérot, un petit don comme à chaque live. Des zombies l'artiste. J'ai pas la ref. Merci à toi en tout cas Itake. Alors les gars, posons-nous. Il y a déjà beaucoup trop de messages. On va prendre un deck. Pour commencer, on va commencer par un truc. Ah, on a un petit full légendaire. Oh, est-ce qu'on commencerait pas par un petit full légendaire là que nous a envoyé? Oh là là, mais ça va trop vite. Non mais c'est pas possible les gars. Oh, attends, j'ai perdu le full légendaire. Il est où? Oh non, je l'ai perdu. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un bordel. Je sens que ce live, ça va être un bordel. Je sens que ce live, il est où le full légendaire? Mais si, ah si, il est là. Ok. On va le jouer. Voilà. Voici pourquoi c'est pratique. C'est parce que du coup, j'ai juste à faire ça et en gros, ça va m'envoyer le deck directement dans le jeu sans aucun problème. Et voilà. Alors, attendez, parce que là, si ça marche pas, parce que le concept, il est bien, on y a pensé, on l'a réfléchi. Ah voilà, donc ça n'a pas marché, très bien. Si ça ne marche pas en live, on va avoir un problème. Alors, s'il vous plaît, ne me déconnectez pas, on copie le deck. Voilà, ça fonctionne, c'est incroyable. Zoubi, ah oui, Zoubi, pardon. Oui, ça fait plus sens que zombie déjà. Merci à toi, Itake. Alors, du coup, on va commencer petit full légendaire, ce qui est une très mauvaise idée, évidemment, parce que je viens de le voir, mais je n'ai pas les légendaires au niveau max. Eh oui. Écoutez, c'est pas grave, on y va quand même comme ça.
Pourquoi j'ai pas le don? Pourquoi j'ai pas le son? C'est parce que quand je rallume le jeu, le son bug. Oh les gars, je sens que ce live c'était une mauvaise idée. Je sens que ce live ça va être une galère. C'est pas grave, on enchaîne. On est contre Sir Oscar, y a pas de son, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais on réglera ça après. On va essayer de trouver un moyen. Ok, on a la princesse qui va taper là-dessus, c'est nickel. Ok, c'est moins nickel avec une bûche. Non, les gars, mais vous êtes on fire aujourd'hui. Je sais pas ce que vous avez. Vous êtes énormément déjà sur le live. Oh, y a un cochon. Ok, on va peut-être se concentrer un petit peu. En fou légendaire, comment est-ce qu'on se débrouille? On a un méga chevalier, très bien. Je pense qu'on va rien faire pour le moment. On va juste en pot avec un bûcheron. Ça fait bizarre de pas avoir le son du jeu dans les oreilles, les gars. Ça fait très bizarre. J'espère que ça va pas faire ça à chaque fois. Sinon, on est un petit peu dans le mal. Alors, la bûche qui est partie, mais cette fois-ci du mauvais côté, ça a pas pris ma princesse, ça m'arrange. On va se prendre un petit coup sur la tour, mais c'est pas très grave non plus. 2, 3, ah oui, c'est un peu plus grave déjà. Tout va bien, on va gérer. Je rappelle qu'on est quand même assez haut niveau, hein, parce que c'est le début de saison. On l'a vu. Et en vrai, ah, le pêcheur, il était un peu tard. Pêcheur un peu tard, j'ai pas de win condition en fait dans le deck. J'ai le méga chevalier, il va falloir que je fasse des push méga chevalier en fait. Faut que j'arrête de subir. Il faut que j'arrête de subir. Et qu'on balance des push monstrueux. Ok, sorcier de glace juste là. On va balancer un truc. Mais j'ai le méga chevalier. Oh les gars, je suis pas chaud. J'ai le méga chevalier pour défendre du cochon. Pourquoi est-ce que je galère depuis tout à l'heure? Oh les gars, la game de chauffe, elle est catastrophique. Hein. La game de chauffe. Ok, bon là on arrive en double élixir. Donc, on va mettre ça dans le fond du terrain pour l'embêter. Et là, on a le méga chevalier. Et là, ça va aller beaucoup mieux, évidemment. Derrière, on arrive en double élixir. Donc on va pouvoir mettre un petit push derrière le méga chevalier. Ce qui devrait être plutôt pas mal. On peut éventuellement mettre aussi un petit pêcheur qui va ramener tout le monde balle au centre. S'il pouvait aller choper la mousquetaire, ça va arranger. Oh, mais le canon qui fait tellement le boulot, je tombe contre un 2.6 qui a une défense qui est plutôt monstrueuse. Je peux pas faire de gros push en plus. C'est pas ouf, hein, je vous avoue. Je me suis déjà senti mieux dans une battle. En plus, là, il va cycler. Là, il peut simplement cycler. On va faire tomber le méga chevalier maintenant. Ok. Cochon qui va mettre un coup. Ça finit avec une bûche. On va tenter un truc maintenant. On va tenter un truc à droite. On va mettre un archer magique juste là. C'est pas le sorcier que je voulais mettre. C'est pas grave, ça fait quand même le taf. Le bûcheron. Ah, il peut finir avec la bûche. Hein. Ouais, il va complètement me terminer. Il va complètement me terminer. Ah, c'était pas le meilleur full légendaire. Il y avait pas... J'ai pas checké du tout. Ouais, non mais vas-y, finis-moi par contre frérot. C'était pas le meilleur full légendaire, il y avait pas de cavabélier, du coup pas de win condition. Et en plus, under level, je sens que les gars, on la compte cette défaite ou pas? Venez, on gratte. Venez, c'était la game de chauffe. Ok, c'était la game de chauffe. Merci à toi Noctelis pour ton don. UHX, comment ça va? Écoute, moi ça va. Enfin, ça va. Là c'est un peu la galère, mais, mais ça va. On va se débrouiller. Merci à toi Emilien également pour ton don. Salut UHX, merci pour le live, ça fait longtemps. Merci à toi en tout cas pour le don. Razox y refait un don, merci à toi Razox, ça fait plaisir. Et Daru qui se sponsor à la chaîne, bienvenue à toi Daru, qui se re-sponsor d'ailleurs parce que je vois que t'as déjà une couronne des 2 mois je crois. Donc re-bienvenue à toi Daru. Alors on va aller reprendre un deck. Vous m'avez dit quoi du coup? Est-ce qu'on la compte? Est-ce qu'on la compte comme une défaite ou pas? C'était un peu la game de chauffe. Tranquillement. Game de chauffe ou ça compte? Fallait chauffer un petit peu le son. Ouais, je sais le son. On va régler ça. Alors attendez, je vais tout réexpliquer parce que là, vous êtes énormément à être arrivés sur le live entre temps. Oui, compte. Game de chauffe. Non. Chauffe, ça compte. Vous êtes partagés. Vous êtes partagés. Bon, les gars, on va pas la. Attendez, on va refaire un truc parce que là. Là, il y a du monde qui arrive. Il y a le kamikaze qui fait un don. Merci à toi, le kamikaze. Hashtag rush. On va essayer, mais ça n'est pas évident à première vue. Alors attendez. Attendez, on va remettre les compteurs à zéro. Déjà, vous êtes beaucoup à être arrivés sur le live entre-temps, donc je vous explique comment ça marche. Vous avez dans la description du live, vous avez un lien pour rejoindre mon serveur Discord, qui est juste ici. Voici. Vous rejoignez... Non, du coup, c'est pas ça que je voulais. Voilà, le serveur Discord qui est juste là, vous rejoignez le serveur Discord, vous pouvez m'envoyer dans vos decks dans le salon spécial qui s'appelle Donnez vos decks, voilà, qui est juste là. Vous voyez qu'il y a déjà toute une ribambelle de decks qui a été envoyée. Vous m'envoyez le lien pour copier le deck directement dans votre jeu
Et je vais l'avoir ici. Et du coup, je vais prendre votre deck et le jouer en jeu. Voilà. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. Je vais le répéter évidemment régulièrement pendant qu'on a un énorme don. Mais les gars, mais j'ai pas le temps de commencer le live. Je suis déjà dépassé. Ça n'a aucun sens. Merci à toi, Jonathan Gauthier. Vous êtes mon youtubeur préféré de classe. J'adore votre énergie positive et bonne humeur. Et oui, ça compte. On ne triche pas. Je peux pas te refuser ça. On va la compter. Mais ça me fait mal. Hein. Je t'assure, ça me fait mal. Attendez. Parce que j'ai le... Ok. Je la compte pour toi. Mais c'est pas un plaisir. Merci à toi, Jonathan, en tout cas. Ça fait grave plaisir. Merci à toi. Et Emilien qui refait un don. Comment on fait pour les sponsors de la chaîne? Tu dois avoir un bouton quelque part, normalement. Un bouton rejoindre. Sinon, tu as un lien dans la description du live qui te permet de devenir sponsor de la chaîne. Alors, attendez, on va essayer de... J'essaye de regarder deux secondes pour le son du live. Va peut-être falloir que je fasse une petite manip à chaque fois pour l'avoir. Attendez, je suis perdu. C'est ce truc-là. Attendez, je teste un truc. Hop. Normalement là ça devrait être bon. Si je redémarre le jeu et on verra si ça le fait à chaque fois. Donc quand je redémarre le jeu c'est bon. Ok. Donc on a une solution, ne vous inquiétez pas. Ok, et du coup moi je vais aller piquer un deck. Du coup juste là, on a quoi? Il faudrait un deck un peu plus sérieux là les gars. Un deck un peu plus sérieux. Oh là c'est un bordel. Attendez, je vais tout en bas. Mais il y a trop de messages. Ça fout le bug. J'ai déjà un bot en fait les gars qui permet de voir et d'afficher les decks comme ça, ce qui est génial. J'avais pas prévu que ça soit autant un bordel. Ça défile. Le bot qui galère. On a quoi? Non mais ça défile trop les gars. Il y a un géant squelette que... Ah non, il est là. Attendez, je veux copier ce... Non, c'était pas ce deck là que je voulais copier. Oh, mais c'est n'importe quoi. Ça défile beaucoup trop vite. Il est où le deck géant squelette que j'avais vu? Je l'ai perdu. Ah il est là. C'est... Non, c'est pas celui-là. Ah, je suis perdu. Oh, je l'ai reperdu. Ah, oh, c'est pas possible. Là, il est là. Je l'ai vu. Il est là. C'est bon. Je crois que je l'ai eu. Oh, attendez, est-ce que c'est... Oh, ok, c'est celui-là. J'avais vu celui-là et j'ai... Il y a un... Ok, on est sur un bourreau. Il n'y a pas de tornade. On est sur un peu du lockbait avec une horde. On va tester ça. Ok. Ah, ok, c'est ça le bug. C'est du coup, j'ai la connexion perdue et quand je redémarre le jeu... Non, j'ai le son. Ouah, je sens que les gars, ce live, ça va être un bordel. On va y arriver. Ah, mais du coup, non, c'est bon. J'ai la page. Tout va bien. Là, ça marche. On a le son. Ok. Bon, c'est le début du live. Je suis désolé, c'est un peu la galère. On va se mettre dans le bain rapidement. Je check le compteur de pouces bleus qui ne marche pas, lui non plus. Attendez. Hop. Je fais juste la petite manip habituelle pour voir si ça peut le déclencher à tout hasard. Hop, comme ceci, c'est normal, ça bug. Et on va faire comme ceci. Ok, bon. On va voir si ça fonctionne tout à l'heure. On va partir du coup dans une battle. Est-ce que j'ai loupé des trucs encore? Vous êtes on fire ce soir. Je sais pas ce que vous avez les gars. Merci à toi Ludovic pour ton sponsor. Bienvenue parmi les sponsors. Et du coup, pendant qu'on en parle, du coup, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord. Tu auras accès en plus à un petit espace réservé aux sponsors. Et merci à toi pour ton don, Martin. Martin Six, toujours au rendez-vous. Et on va partir du coup avec ce deck, mesdames et messieurs. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est pas grave, on y va. Ok. On est contre Frosty, mesdames et messieurs. Bonne chance. Ok, on va mettre un petit bourreau dans le fond du terrain. On va y aller doucement pour le départ. Ok, on est sur du sorcier de glace. Pourquoi pas? C'est payant pour être sponsor. Oui, les sponsors sur YouTube sont payants. Petit baril. On va voir ce qu'il a pour défendre. Ok, il a un flux à barbare. Très bien. Bonne info. Ça va se faire laver par le bourreau qui est derrière. Donc c'est pas mal. On va essayer de mettre un peu la pression. Et il a un bouliste. Ok. Il a un bouliste. Très bien. J'ai pas la rubrique. Donnez vos decks. Il y a un règlement, les gars. Si vous rejoignez le Discord, il y a un règlement à accepter. Et tant que vous n'avez pas accepté le règlement, vous avez quasiment aucun salon de dispo. J'ai pas trop envie. Je pense qu'un bourreau, ça peut le faire juste pour défendre le dragon. Vite, s'il te plaît. Ok, il s'est loupé. Le dragon, tu veux pas tourner? Non, ça va. Mais le bourreau qui fait le travail. Ouais, le bourreau, les gars, qui carry. Le bourreau qui carry. On n'a pas grand-chose, hein, mis à part le feu à gobelin dans ce deck-là. C'est un peu la galère. Oh, il s'est loupé! Oh oui! Qu'est-ce que j'aime voir ça!
Qu'est-ce que j'aime voir ça. On va ranger en squelette. Fond de map. Ok, on tente. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok, j'ai pas réagi assez vite, mais normalement ça devrait gérer. S'il te plaît, la horde, vite, 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 vite. Oh, le... ok, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, mais du coup, on va quand même essayer d'en profiter un maximum. C'est parti, let's go. On a du prince ténébreux qui arrive avec ça. On a de la horde qui est toujours là. Ça va gratter un petit peu sur la tour. Et mesdames et messieurs, j'ai bien l'impression qu'on se dirige vers une victoire là. Oh oui, oh oui. Est-ce que ça passe? Oh, c'est parfait, il a plus d'élixir. C'est parfait. Le deck géant squelette qui carry. Ok, bourreau juste là. On a la défense qui est en place normalement. Alors attendez, 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 attendez. Il faut. Oh, c'est pas, bah, c'est parfait, il pouvait pas tout gel. Incroyable, les gars, ce niveau. Il fallait une petite game de chauffe. Voilà, il y a Jonathan qui, sans pitié, m'a fait compter ma défaite. Ce qui est une honte, monsieur. Mais sinon, là, on est pas mal. Petite boule de feu. Histoire d'aller sauver la princesse, c'est toujours assez embêtant. On en remet une sur le terrain pour le kiff. Là, il va repartir. Voilà. C'était sûr. Sauf qu'encore une fois, il a pas. Ah, bien joué. C'était bien vu. Il a pas le gel. C'est parfait. C'est parfait. Et ça va être gagné, mesdames et messieurs, tranquillement. Avec un petit feu à gobelin. Une deuxième princesse. Et c'est dans la poche. Évidemment qu'on va rush aujourd'hui, les gars. Évidemment qu'on va rush. Alors, attendez. On va modifier le score. J'aime pas être en négatif là, en termes de victoire-défaite. 1-1, c'est déjà correct. Alors, petit plus 31, on revient du coup là où on était tout à l'heure, au-dessus des 5005. On va essayer d'aller taper au moins les 5006. Je pense que c'est largement faisable. Je crois que le top 10 000 monde est à 5008. Alors, je sais pas si on va y arriver quand même. Avec le deck des abonnés, ça risque d'être un peu tendu, mais on va essayer. Merci à toi, Razox, pour ton don qui dit le don de Jonathan Gauthier. Je l'ai déjà lu, hein, t'inquiète pas, évidemment, je ne l'ai pas loupé. Merci à toi Razox en tout cas, et Jonathan qui refait un don, ça fait bien plaisir. Quel sadisme, quel sadisme. Et merci à toi William, toujours au rendez-vous. Merci pour ton sticker. Les gars, vous êtes chaud aujourd'hui. Vous êtes bouillant aujourd'hui. Et ok, alors attendez, on va aller choper un nouveau deck. On va changer à chaque game évidemment. On ouvre ce coffre là en attendant. Et on repart du coup sur le serveur Discord. Hop. Je rappelle, hein, si vous voulez m'envoyer vos decks, c'est dans la description. Vous rejoignez le serveur et il y a un salon qui s'appelle Donnez vos decks. Oula. Attendez, c'est full bug. Non, mais il y a tellement de messages. Attendez, je vous laisse. Ça, c'est les messages qui défilent. Ça, c'est vous qui envoyez vos decks. C'est un bordel. C'est un bordel. Comment vous voulez que je prenne un deck là-dedans? C'est terrible. Oh, celui-là, il est pas mal. Oh, le deck de Victor 1Z. Il a l'air absolument infâme. Regardez ça. Regardez ça. Barbare d'élite. Non merde, pourquoi j'ai pris ce deck? Mais aussi, non mais je suis débile aussi. Genre, j'ai le choix entre plein de decks. Il y en a des bons et je prends ce genre de truc. Je me veux du mal. Non mais c'est vrai, au bout d'un moment, disons-le. C'est terrible, c'est terrible. Non mais je me désespère moi-même. Julien, merci à toi. T'étais pas à 7000 trophées il y a deux jours. Si, mais il y a eu la fin de saison entre temps. Lundi matin, tous les premiers lundis du mois, t'as un reset de trophées qui t'enlève 50% de tes trophées au-dessus de 4000. Et du coup, moi, je suis passé de 7000 à 5005. Et on a le Kamikaze qui se sponsor. Merci à toi, le Kamikaze. Bienvenue. Et l'Hérétique qui me fait un petit don. GGH, merci à toi, frérot. Les gars, vous êtes on fire ce soir. Vous êtes on fire. J'ai pas le temps de faire mes games. Vous vous rendez compte? Je n'ai pas le temps de faire mes games. C'est terrible. On va partir avec ce deck. On va voir ce que ça donne. C'est pas 25%, non, il y a eu 25%, mais c'était que pour une saison, c'était une exception. C'est parce que le mois de février était court, et du coup, ils voulaient pas reset à 50%. Alors, on est sur des barbares d'élite, mesdames et messieurs, qui sont séparés des deux côtés du terrain, et je n'ai aucune défense pour un fût. On va gel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas grand-chose d'autre à faire. Et là, j'ai absolument rien pour la princesse, je suis obligé de fireball. J'ai aucune défense. Je n'ai aucune défense. Ah, en plus, j'ai raté mon... Oh, mais quelle infamité, infamité, quelle horreur. J'ai rien dans... Il n'y a rien dans ce deck. Il n'y a rien.
J'aurais pas dû mettre mes barbares d'élite comme ça en fait au début. C'était l'erreur à ne pas faire. Vu que ça nous permet de défendre aussi. On va pas gel tout de suite. On va pas gel tout de suite. Est-ce que ça peut mettre un coup là s'il vous plaît? Petit coup. Deuxième coup. Oh ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. J'ai envie de partir en chevaucheur. Ouais vas-y go. Go en chevaucheur. Ça m'a l'air pas mal. Ok il y a une Tesla. Ça ne m'arrange absolument pas. On tempo. Il va peut-être mettre un truc devant la princesse, j'espère. Non, ok, rien du tout. Gèle encore. Gèle pas le choix. C'est une galère ce deck. Qu'est-ce que je fous à jouer ce deck? Ça n'a aucun sens. Ok, on peut mettre un gang pour défendre. Là, il a gâché sa bûche. Et là, on peut peut-être partir. C'est horrible. Hein. Mais barbare d'élite au pont, ça peut peut-être le faire. Hein. Avec le sort d'orage. On va tester le combo, hein. Je le fais jamais, mais... Ok, il y a l'air. Ok, c'est pas mal. Est-ce que ça peut aller gérer? Ok, non. Il va bien défendre. Là, on a la boule de feu. Check. J'ai pas grand-chose à faire. Honnêtement, les gars, c'est un poil compliqué, là, pour le moment. On va retenter un truc comme ça. Alors par contre on va prendre des dommages, on va prendre très très cher sur la tour. Ah ça passe pas hein, les barbares d'élite ça passe pas. Faut que je... Oh mais j'ai pas vu mais... Ah ouais non mais on est au... J'avais pas vu les dommages du baril, c'était pas forcément la meilleure des idées. Oh non la princesse, ta princesse. Ah GG. Ah GG. J'ai voulu faire le malin avec ce deck. J'aurais pas dû ignorer le baril non plus. Bon, là, j'avoue, compliqué le deck. Compliqué. On va peut-être prendre un meilleur deck pour la prochaine battle. Je pensais... j'ai essayé le combo barbare, barbare d'élite rage, les gars. C'est ce que je pensais. C'est bien de la merde. Non, mais il faut le dire, au bout d'un moment. Ça ne passe absolument pas. Merci à toi, Razox, pour ton sponsor. Bienvenue parmi les sponsors également. Alors, on va prendre un bon deck cette fois-ci. On retourne du coup sur le serveur. Hop, allons-y. On va prendre un bon deck. Je veux un bon deck, les gars. Envoyez-moi des bons decks, là. Envoyez-moi des bons decks. Je rappelle, hein, pour ceux qui veulent m'envoyer vos... Oula, je n'arrive plus à parler. Pour ceux qui veulent m'envoyer leur deck, vous pouvez aller sur le serveur. Il y a le lien dans la description. N'hésitez pas à rejoindre et à m'envoyer votre deck dans le salon. Donnez vos decks. Alors, c'est un bordel. On a du 3 mousquetaires. 3 mousquetaires cochon. Ça peut être pas mal, ça. On va prendre ce deck-là. On va voir ce que ça donne. Normalement c'est le genre de deck qui est correct. Oula. Je sais pas si vous entendez le son qui est full bug. Ça bug un peu le son quand je switch d'une app à l'autre. Je sais pas pourquoi. Je vais redémarrer le jeu vite fait. Hop. Ok. Bon les gars on va quand même essayer de rester à 50% de victoire. On va pas trop troll quand même. Parce que le but c'est quand même un petit peu de rush. Alors, pourquoi est-ce que toujours le bug son? Vous l'entendez? Vous entendez bien le son ou pas? J'aime pas du tout ça les gars. Je vous le dis. Je n'aime pas du tout ça. Ah là c'est bon. Là c'est bon. Il y a des petits bugs son du fait que je change d'une app à l'autre que j'avais pas prévu, je vous avoue. Ok. Alors là on est bon. On va partir avec ce deck. On va voir ce que ça donne. Voilà, on est contre un français de la team PLS. Bon là on a un bon deck les gars, donc on devrait gérer. Normalement, il a déjà l'emote de la saison. Ok. On va mettre un gang pour défendre. On la joue sérieuse les gars. Parce que le but c'est quand même de rush, hein, parce que je troll depuis tout à l'heure, mais on veut bien rush. Je me demande ce qu'il a en sort. Ok, alors on se demandera ça tout à l'heure. Ah, d'accord. Bah très bien. Très bien, GG. Je vais pas pouvoir faire grand chose là-dessus. Ah, j'essaye de sauver les meubles, mais... on va perdre la tour là-dessus. On va peut-être essayer de faire une petite contre-attaque. Ouais, je sais même pas si on peut en vrai. Hein.
Faut qu'on s'installe en vrai. On a un deck qui nous permet de faire du 3 couronnes facilement. Donc en vrai, on va juste s'installer. Normalement contre son deck, vu que c'est un cimetière, on devrait... à partir du moment où on... Oula. À partir du moment où on prend une tour, on devrait à peu près gérer. Ok. On gère, tout va bien. Tant qu'on met des pompes, pour l'instant, on est bon. Ah, je suis obligé de partir en 3 mousquetaires au bout d'un moment, les gars. Petit zap ici. Oh, il a pas de gros sort. Il a pas de gros sort, c'est parfait. Et en vrai, là, on a bien géré la défense. On a bien géré la défense. Il doit avoir un mini PK. Hein. Il doit forcément avoir un mini PK. Ok. Ça va être un peu tendax, je suis obligé de remettre une pompe. Sinon je suis trop derrière. Faut 3 mousquetaires. Ah, je les ai pas assez. Je les ai pas en main au bon moment. On va partir sur un zap maintenant. Ok, ça tient. Et là maintenant on va mettre la dose hein. On va mettre la dose. Il va forcément mettre une armée. Effectivement, c'était bien vu. Oh, ça prend les deux tours. Ça prend les deux tours. Ça prend les deux tours. Oh, ça prend les deux tours. Plus qu'à def. Plus qu'à def. Plus qu'à def. Ah, dommage le zap. Ça a pas suffi. Ça a pas suffi. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher, mais on peut encore s'en sortir. On va cycler. On va cycler. Là, je balance ça, mais c'est vraiment pas l'objectif. Je veux juste mettre les 3 mousquetaires dans le fond du terrain. Pour pouvoir défendre et m'installer. Je vais pas l'abandonner, celle-là, les gars. Je vous le dis, celle-là, je l'abandonne pas. Celle-là, on doit la gagner. Ok. Tout va bien. On est en contrôle. On est en maîtrise. On va rester en défense. Pour l'instant, on reste en défense. Je la tryhard. J'en ai rien à foutre, je la tryhard. Je veux la gagner. Je veux la gagner. Non, par contre... Non, 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 non. Vous faites quoi, là, sur la droite? Il y a un géant à défendre. Oh! Ok, ok, il est pas bien. Il est pas bien, on met un peu de pression. Ah, GG. Je voulais éviter ça. On va choper quelques coups sur la tour. C'est pas mal, ça va jouer au dommage les gars. 45 secondes. Oh, la pression est à son comble. Oh, c'est pas mal, le cochon qui connecte. Le cochon, mesdames et messieurs. Oh, les mousquetaires. Ça va être une win. Ça va être une win. Évidemment qu'on ne lâche pas. Good game. Well played. On lâche rien du tout, les gars. On ne lâche rien du tout. Hors de question. 2-2. 2-2, mesdames et messieurs. Ah, et la game, on n'était pas bien. La game, les gars, elle était tendue, hein. J'ai tout donné. Hein. J'ai tout donné. Ouh. Alors, on débloque aussi. Alors, ça serait super cool si on pouvait débloquer dans... Alors, ça va être chaud quand même parce qu'on est un petit peu... On est copains les 4. Mais j'aimerais bien débloquer le skin de cette saison. J'avoue que ça serait cool. Ok. Alors... on va rechoper un deck. On va retourner prendre un deck. Mesdames et messieurs, on retourne juste là. Je rappelle, je vais le rappeler à chaque fois hein, entre les battles pour ceux qui rejoignent le live en cours de route. Je rappelle que je prends vos decks du coup sur Discord.
Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description du live et à m'envoyer vos decks dans le channel. Donnez vos decks, il y a juste un règlement à accepter avant. Mais voilà, vous pouvez y accéder facilement, très rapidement. Si vous n'avez pas de compte Discord, pareil, hein, vous pouvez télécharger et vous inscrire, ça prend 2 secondes. Et puis le reste du serveur, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, hein, mais le reste du serveur est très sympa, hein, y a plein de trucs à faire. Il y a plein de salons pour discuter, c'est aussi très cool, donc c'est pas juste pour m'envoyer vos decks, il y a plein de trucs à faire. Alors, il y a beaucoup trop de messages. Ah, oh, c'est un bordel. Je me suis dit, Discord c'était une bonne idée parce que du coup on verra pas les liens que les gens enverront, on verra les decks. Mais là on a cassé le bot les gars. Oh, on a cassé le bot. Normalement c'est ça qu'on voit. Normalement, mais ah, non mais il y a tellement de messages. Normalement ça doit donner des trucs comme ça. Mais le bot, vous envoyez tellement de messages les gars que vous avez tout pété. Alors, on a quoi d'intéressant ici? On a quoi d'intéressant ici? On a... Oh, celui-là, il est un peu chelou, là, avec le bomber. Mais ça me plaît bien, là, le petit cochon bomber. Maxime du 69. On va essayer ce deck. Ça me paraît original. Et ça me paraît pas trop mal non plus. Ah, il y a pas de sort. Oh! Dans quoi je m'embarque? Dans quoi est-ce que je m'embarque? Attends, là, la connexion qui va pas non plus... Alors, je retourne ici. Je sais pas, je devrais peut-être un peu mieux regarder les decks avant de les prendre. Parce que là, il n'y a pas de gros sort. Donc, on a juste une bûche. Mais ça peut peut-être le faire parce qu'on a du dommage de zone quand même. Et on n'a pas de tornade. On va essayer. On va essayer comme ça. Ok. C'est parti, bonne chance. Fripon dans le fond du terrain. Ok. On va tempo pour l'instant. J'aime juste pas le fait qu'avec la boule de feu, il va pouvoir me mettre assez mal. Que ça soit pour les cochons ou tout en fait. Il y a à peu près tout qui est sensible à la boule de feu. Et du coup, vu qu'il l'a utilisé, on va essayer d'en profiter quand même. On va balancer les cochons. J'espère qu'il a pas de bâtiment. Oh, il a une Valkyrie. Oh. Oh, ça va être dur. Oh, ça va être très très dur. Oh, ça va être extrêmement dur. Wouah, la galère. Qu'est-ce que je suis censé faire là tout de suite? Je vais mettre une bûche pour essayer de sauver le truc. Gagner un peu de temps. Alors, en vrai, on a pas trop mal défendu. Hein. Oh là là, je sens que toutes les games qu'on va faire aujourd'hui vont être une galère. Je sens que ça va être très compliqué. Bomber pour la Valkyrie. Ouais, je pense que le bomber va falloir essayer de l'utiliser intelligemment parce qu'il fait beaucoup de dommages. Hein. Il fait énormément de dommages. On n'est pas tant derrière que ça, on n'a pas non plus perdu une tour, donc ça va. Et les fripons aussi, ils vont être utiles. Ça va tanker du coup pour le prince. Il va falloir qu'on fasse preuve d'originalité. Et là le problème du coup c'est qu'il garde sa boule de feu, hein. Il le sait très bien. Et du coup bah plan B. Oh quoique. Quoique. Attendez, on va gratter un peu, mais moi ce qui m'intéresse c'est quand même le côté droit. Ok, on va protéger le bomber au max. Parce que le bomber fait très très mal. Ouais, je panique un peu là, j'avais pas les gardes en main. Mini PK qui repart, c'est parfait. Oh, une galère cette game. On tempo. Je sais pas du tout comment on va la gagner. Ok. On commence à bien stacker les troupes là, ceci dit. Je veux pas trop précipiter. Mais là, je pense qu'on a une fenêtre. Là, clairement, on a une fenêtre. Je vais essayer un bomber à droite agressif parce qu'il va défendre forcément à gauche. Exactement. Ah, mais il a le...
Protège-le. Ok, c'est protégé, c'est protégé, c'est protégé. Là maintenant on a un problème à droite, à gauche. On est passé devant en termes de dommages, mais pour pas longtemps. Mais par contre là avec les cochons royaux ça peut être pas mal. Cochons qui partent, il y a encore une Valkyrie. On gratte, on gratte, on gratte, on gratte. J'abandonne pas les gars. Ok. On est légèrement devant. On va gratter à la bûche. On va gratter à la bûche. On va gratter à la bûche. Parce que du coup lui il va essayer de gratter à la boule de feu. Et nous du coup on part en cochon. On est devant. On est devant les gars. On est devant. Oh ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien du tout. Attendez, ok. Ah le problème c'est que s'il commence à faire ça on est mal. C'est chaud, 15 secondes. Grattez, grattez, non! Balance pas la boule de feu, est-ce que ça finit? Non, 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 non. Oh j'ai gagné! Oh j'ai gagné! Oh dommage! Oh là là! Oh cette game! Oh là là! Comment j'ai fait pour gagner ça? Comment j'ai fait pour gagner ça? Ah là les gars j'ai tout donné hein. Là les gars, j'ai tout donné sur cette game, j'ai tout donné. Pff, comment j'ai gagné? Mais comment est-ce que j'ai fait ça? Alors attendez, je vois que... Attendez. Est-ce que... J'ai une question pour vous. Est-ce que vous voyez... Est-ce que vous voyez la miniature ou pas? Vous voyez un vieux truc qui est pas censé être une miniature? Parce que j'avoue que là, je suis sur mon téléphone. J'ai vu quelqu'un qui l'a dit dans le chat, du coup je suis en train de checker. Et là du coup, je suis sur mon téléphone, je vois qu'il y a ce truc là. Et c'est pas censé être comme ça. Du tout en fait. Ah, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Je sais pas pourquoi. Je la vois, non. C'est ok la miniature, pas de mia. Truc gris, mauvaise miniature. C'est pas une mia. Donc attendez, il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je vais essayer de la changer. Enfin, plutôt de remettre la même, mais je sais pas ce qui se passe. Bon, écoutez, je la remets. Je la remets. Ah, je suis désolé du coup. D'accord, il y a carrément pas de minia sur le live, mais qu'est-ce que c'est que ce live du Bled? Ça n'a aucun sens. Bon, c'est bon, là normalement, je l'ai remise. Bon, je vais voir, je vais voir. Désolé pour ça du coup. Bug de YouTube, les lives, toutes les minias de live sont buggées. Ok, 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 c'est peut-être ça. Ouais, parce qu'apparemment, il y en a qui l'ont parmi vous et il y en a d'autres qui l'ont pas. Donc écoutez, je sais pas, je sais pas. Alors, du coup, ça c'est gagné. Ah oui, d'accord, je retourne. Oh, j'ai un énorme bug, ok. Ah non, mais YouTube, c'est full bug ce soir. Oh, c'est YouTube, c'est full bug. Bon, tant que le live marche, on est bon. Ah, petit coffre. Mortier, colis, ok, c'est nickel. On a chopé du colis au passage, on en a 36 en plus. Ok. Alors, on va retourner du coup, comme d'habitude, sur Discord. On va voir un petit peu ce que vous avez à me proposer. Je rappelle, hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, vous pouvez aller checker le serveur Discord dans la description. Et c'est là où je prends vos decks. Donc n'hésitez pas à me les envoyer avec le lien.
Hier soir aussi, YouTube était bug. Ouais, bah écoutez, je sais pas ce qui se passe, les gars. Je sais pas ce qui se passe du tout. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on a quoi? Ah, on a des bugs. On a des bugs. Oh, celui-là, il me plaît. J'ai 5... Oula. J'ai 5 Saman. Ou Saman, je ne sais pas. Un petit deck golem. On n'a pas encore joué de golem. Il y a du cavabélier. Il y a du sorcier. On n'en voit pas trop souvent. J'aime bien ce deck. On va le tester. On va tester tout ça. Alors, on remplace évidemment ça ici. Ouais, non, mais les gars, pour la miniature, tant pis. Enfin, je peux pas faire mieux que ça. Donc, si YouTube se décide à la mettre, tant mieux. Ah, c'est bon. Chez moi, j'ai refresh et c'est bon. J'ai la bonne miniature. Ok, donc normalement, si vous rechargez, ça devrait être bon. Je sais pas pourquoi, du coup, ça a bugué. Je suis désolé pour ça. Du coup, on va partir. Et on est bientôt au 5006. Hein. On y est bientôt. C'est parti, bonne chance. Va-t-il y avoir une... Va-t-il y avoir... Oula, 1, 2, 3. Va-t-il y avoir la rediff? Oui, il y aura une rediff. Je mettrai la rediff. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, j'aime pas du tout le deck qui est en face. On est sur un bon gros spawner. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de sort. On n'a pas du tout de sort. Bon, on a du sorcier par contre. Donc en vrai... Et s'il a qu'un poison, on se met très bien. Ok. Bon, comment est-ce qu'on va gérer ça? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Je pense qu'il faut qu'on parte en golem sur la même ligne. Ou alors non, on met la pression avec le Kava. Ça peut être pas mal. J'aime pas du tout ça par contre. Je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, sorcier ici. Ah, je me fais éclater. Je peux rien faire. Là, vous êtes témoin. Je ne peux rien faire. Il faudra un sort, en fait. J'ai pris un golem sans sort. C'est foutu. C'est absolument foutu. On va partir à gauche. On va devoir faire un 3 couronnes. De toute façon, c'est clair. Ça, c'est soit un 3 couronnes, soit on perd. Donc on va partir avec un bon gros push à gauche. Et forcément, il va full def. Ah, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible, je peux rien faire du tout. Non, mais regardez ça, je ne peux rien faire. Je peux tenter un Kava ici. Ah, mais le problème, c'est que là, il y a la dose qui arrive à gauche. Oh, je peux rien faire, je me fais éclater sur cette game. Ah, je me fais éclater. Là, il a juste besoin d'un poison et c'est finito pour moi. Oula. Ah non, GG. Ah là, je me suis fait éclater. Éclater. J'ai rien pu faire. Il n'y a pas assez de dommages de zone dans ce deck. RIP. Ah, moins 23. Ça passe. Tout va bien. On est encore à peu près correct. Mais j'aimerais bien monter un petit peu là, les gars. Envoyez-moi des bons decks. Et moi, je vais rester de choisir des, des decks trolls. Filez-moi des bons decks, les gars. Alors, on a quoi ici? Ah, on a pas mal de trucs, c'est cool. Alors, golem, on vient de jouer, donc on va éviter... Oh, c'est un bordel. Il y a de l'esprit, oh non. Mais filez-moi des vrais, des bons gros decks. Ah, GR, on n'a pas encore joué. Celui-là, il est pas mal. Le deck de Vincent, il est pas mal. On devrait gagner avec ça, normalement, là. Un petit deck GR.
petit boule de feza pour aller supporter ça. Il y a de la Valkyrie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Allons-y, celui-là il devrait être pas mal. Ça, ça me plaît. Il faut monter, les gars. J'ai pas envie d'être en négatif en termes de win rate. Ah oui, j'ai loupé ton don, c'est vrai, Noctalis. Je suis désolé. Alors, on fait un deal. Si tu prends un deck bien cancer, je te donne 20€. Si ça te va. Bah, j'en prends des decks. Je prends quand même des decks bien chelous, Noctalis. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai quand même pris un ballon, barbare d'élite, gel, cochon, bélier. Donc j'essaie de l'alterner un petit peu. Mais après, si tu veux me faire un nombre de 20 balles, il n'y a pas de souci, hein, frérot. Fais-toi plaisir. Et merci à toi, évidemment, t'as refait un don derrière. J'avais loupé. Merci à toi. Alors, on part avec ça. On part avec ça. Ok. On est contre JNK 123. Bonne chance. Ok, j'aime pas le deck qu'on a en face, je vous le dis. En plus là je suis obligé de mettre une Valkyrie sinon je me prends le coup. C'est très gênant. Oh, on est pas bien, hein. On est pas bien là, ce début de game. Il est un peu compliqué. En fait la foudre nous a mis vachement mal. Hein. Bon après ça va, on a le chevalier qui va faire le travail. On est bon. On va se remettre dans le cycle normalement. Et ça devrait passer. Mais je sais pas ce qu'il joue par contre. Ok. J'ai pas envie de forcer. J'ai pas encore toutes les infos. Méga gargouille dans le fond du terrain. Ok. On va attendre que le mini PK passe. On tempo. On va mettre un GR les gars, mais ça va être un GR de qualité. On tempo toujours. Là le GR il va tomber les gars, là je vous le dis le GR il va tomber. On est en train de s'installer doucement là. Mais vous voyez qu'on a de plus en plus de troupes sur le terrain. Et là, normalement, là, je le sens bien. Là, le bon gros GR qui arrive, je le sens très très bien. Petite méga en plus pour aller supporter tout ça. Oh, what? Il a un... Quoi? Ok. Le bon gros GR, il a rien fait. Hein. Il a même pas mis un coup. Très bien. Oh, non. On peut pas, je peux pas reperdre. C'est pas possible. Je refuse. Je refuse. Radicalement. C'est du golem, mais ça n'a aucun sens. Ok, bon, on a bien tenu. On a bien tenu. Oh, mais je peux rien faire. Ah oh mais c'est insupportable. Oh, vas-y mets un coup. Oh mais je peux pas mettre deux coups, c'est terrible. Ok. On va repartir avec un GR. Au bout d'un moment frérot, t'as pas toutes les cartes du jeu en main d'un coup. Ok, là c'est pas trop mal. En vrai, là c'est pas trop mal. Il me faudrait la boule de feu là. Rapido. J'ai dit rapido. Ok, boule de feu qui part. Il reste une minute.
Ah mais la tornade qui va tomber hein. Ah ouais non mais c'est terrible. Il a toute la défense à chaque fois. Ok. Ok ok. Non mais dernière chance. Dernière chance. Oh oui c'est parfait. Oh oui. Il s'est planté. Il s'est planté. Oh j'ai gagné à 2 PV. Oh mec. Oh mais les games qu'on fait, c'est pas possible. Oh là 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 là. Non mais les gars, non mais les gars, là je veux une ovation dans ce chat. Oh et heureusement que j'ai mis le zap à la fin. Heureusement que j'ai mis le zap à la fin. Oh là là, mais les gars, les games qu'on fait. Comment est-ce que je l'ai gagné celle-là? C'est tellement injuste. Oh non mais là on se dépasse. Là on se dépasse. Là franchement on se dépasse. C'est incroyable. J'y croyais pas. Je vous jure j'y croyais pas. Mais j'ai quand même tout donné. Je joue le jeu jusqu'au bout. La game de ouf c'est de la TV Royale. En vrai ouais celle-là c'est de la TV Royale. Franchement celle-là c'est de la TV Royale. Bon et on monte, hein. Je sais pas comment mais on monte à peu près. Bon écoutez, ce deck il était pas trop mal, on a quand même failli y passer, mais c'est validé. C'est validé. C'était le deck de Vincent, merci à toi Vincent. Je rappelle hein, évidemment comme d'habitude, mais n'hésitez pas à envoyer vos decks sur le serveur Discord. Vous avez le lien pour rejoindre dans la description et vous m'envoyez vos decks dans le salon qui s'appelle Donnez vos decks. Il y a un règlement à accepter juste avant, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, on a passé les 8000 personnes sur le serveur Discord. Donc un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux qui rejoignent. Et sachez d'ailleurs, hein, je le répète, je l'ai dit en début de live, mais sachez que du coup, vu que je voulais faire ce concept où je jouais vos decks et je cherchais un moyen de le mettre en place, en fait, j'ai fait une sorte de partenariat avec Discord et du coup, ce live est sponsorisé par Discord. Donc un grand merci à eux. Et du coup, ça permet de faire ce concept qui est grave cool. Et en plus, ça donne des games, les gars, qui sont incroyables. Donc c'est génial. On a Noni. Ah, Noni qui passe. Comme d'habitude, faire un petit coucou. Je suis de retour. Merci à toi, Noni. Ça fait plaisir. Et Martin qui rebalance un petit sticker. Merci à toi, Martin. Ouh. Que d'émotion. Alors, il y a un nombre de decks. Oh, celui-là, je l'aime bien. Attendez. Celui-là, il est pas mal. Le deck de Joey 17, j'aime bien. Je prends au pif, hein, les gars. Il y a un nombre de decks que vous m'envoyez. C'est génial. Merci à vous. Celui-là, je l'ai vu pop. Je le trouve marrant. On va l'essayer. Alors, ah, connexion perdue. Alors, on allume le jeu. On retourne dans Discord. On copie ça dans le jeu. Ok. Un petit ballon rapide. Ok. Bon, rapide à 4.0 quand même. Hein. Il va falloir caler des bons gels. Des bons gels sa mère. Ok, on est contre Nopsa. C'est parti, bonne chance. Et on a déjà un ballon. Oh, il va. Oh, la vache. Oh, j'avais pas testé ça. Il va super vite, le ballon. Il a été modifié, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais le ballon a gagné de la vitesse là depuis hier, je crois. Et putain, j'avais pas vu la différence. Enfin, j'avais pas vu la différence. Je m'étais pas renseigné, j'avais pas testé. Je vais y arriver. Mais ça fonce, hein. Ok, bon là on n'est pas bien. Ouais. Alors heureusement, le mini PK a fait le travail. Mais on va prendre un petit peu de dommage là-dessus. On va tamper un petit peu. On n'a pas non plus un deck rapide, donc faut pas non plus s'enflammer. Oh mais ce ballon, non mais regardez ça! C'est une Formule 1 le bordel! Oh, et ça me coûte tellement cher à chaque fois. Ah mais j'ai la TDE, j'avais oublié ça. Du coup on peut défendre facilement en fait avec la TDE.
Bah ouais, regardez ça. C'était TDE, merci, bonsoir. Des archers juste là. Ah non, il nous met mal en fait. Non, non, il nous met bien mal. J'ai pas encore eu l'occasion de caler un ballon. En fait, je mets pas la pression, c'est pour ça que je me fais mettre la pression. Je devrais caler des push. Hein. Mais c'est ce ballon, c'est ce fieu à squelette, les gars, depuis tout à l'heure, qui me met une pression de malade. Mais regardez ça! Mais en fait, faut que je mette les flèches. Non, mais j'ai mal joué. Parce que là, du coup, on va mettre les flèches. Et comme ça, là, on n'en parle plus. Et là, derrière, on arrive avec un ballon into mini PK en dessous. Double élixir, on a le sort de gel. Parce qu'il va forcément mettre le dragon. Non, pas du tout, il met ça. Ok, très bien, ça part en gel quand même. Et là, ça met un coup. Et ça met même deux coups, je pense. S'il te plaît, deux coups! Non, mais évidemment. Évidemment. Ok, on a les flèches. Ah, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. C'est déjà beaucoup mieux comme ça. Ok, le ballon qui repart. Oh non, j'ai loupé. Non, 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 non. On perd la tour. On perd la tour, on perd la tour, on perd la tour. On perd la tour. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Tap, tap, tap. Dommage. Dommage. Non mais là j'ai mal joué. Là j'avoue c'est de ma faute. Je suis désolé, j'ai mal joué le début de la game. Je me suis fait mettre pression par ce fût en fait. J'avais pas vu ce nouveau fût et j'ai paniqué. J'ai paniqué en le voyant. My bad, my bad. Non mais c'est de ma faute. C'est de ma faute, là j'admets. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Ça restait un deck marrant. On va en choper un autre. On va en choper un autre. Voyons voir un petit peu. On a quoi? Je vais descendre un petit peu au début. Ah là on a une ribambelle de deck. Voyons voir un petit peu. Ah, du golem Elex. Oh, du double soin. Ah, ça me plaît. Attendez, non, il est où? Non, oh, non, 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 je veux pas perdre le deck, je veux pas perdre le deck. Non. J'ai perdu le deck. Il était où? Non, je suis trop dégoûté. Je suis perdu, les gars, il y a trop de messages. C'est un bordel. C'est un bordel monstre. C'était pas ça, non. Oh non. Oh, je suis tellement triste. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Ah, c'est... Attendez, non. Est-ce qu'il était là? Non, c'était pas ça. Oh non, les gars. Je voulais tellement jouer ce deck. Le petit golem élixir double soin. Je voulais tellement le jouer. C'était pas là, par hasard? Non. Ah, les gars. Il sera perdu. À tout jamais, malheureusement. Et je continue de chercher, hein. Évidemment je parle pour essayer de gagner du temps, mais non, non, non. Il est perdu dans les tréfonds. Dans les tréfonds du... De là, de... Attendez, ah c'était ça, non? Attendez, c'était ça. Redlo, merde. Il est où? Je l'ai revu. Ah, je l'ai. Il est là. Redlo. Je crois que c'était celui-là, non? Quel bordel. Je crois que c'était... Oui, c'était ça. Ok. C'est bon, on a notre deck. Évidemment, le jeu qui ne veut pas marcher. Alors, on revient là. On recopie ça. Hop, ouvrir. Et merci à toi, Amanda, pour le don. Coucou, hashtag, je t'adore. T'es super, continue comme ça. Merci à toi, ça fait grave plaisir. Alors, le deck qui est là. Double soin, mesdames et messieurs. Golem élixir double soin avec de la sorcière de la nuit et de l'électro-dragon. J'aime bien ce deck, je pense qu'il est fort. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de gros sort. Moi, je pense que j'aurais viré le dragon de l'enfer parce qu'on n'a pas besoin dans ce deck-là. Et j'aurais mis un gros sort. Mais je vais respecter. On a dit qu'on jouait les decks des abonnés. Ah, le deck que tu voulais, c'était Golem Elex, Dragon de l'Enfer, Bush, Nightwitch. Donc c'est bon, donc j'ai bien retrouvé. Merci à toi, Jack Music. Je l'ai bien retrouvé. J'ai persisté, les gars. Je voulais jouer ce deck. Voilà, j'ai vu ce deck, je voulais le jouer. Ah, j'aurais peut-être pas dû balancer mon dragon comme ça, moi.
Et effectivement. Est-ce que le dragon, j'ai bien placé? Oh oui, parfait. Oh, regardez cette portée. Ah, oh, du coup, contre-attaque. Contre-attaque. Contre-attaque, monsieur. Sort de rage? Ah, c'est un peu trop forcé, ça, je pense. Hein. C'est un poil trop forcé, mais... Ouais, non, j'ai trop forcé. Non, j'ai déconné. J'ai déconné. Ouais, là, ça va être compliqué. Là, je vais pas vous le cacher. Là, ok. J'ai déconné. Ah, j'ai pas le droit de faire ça. Les débuts de game, je fais n'importe quoi. Et j'ai... Oh non, mais les gars, je loupe tout là. Là, les gars, ça va pas. Là, les gars, je loupe tout. J'ai loupé l'esprit. Alors, c'est pas encore terminé, hein, mais attendez. Faut que je me reprenne. Il faut que je me reprenne. Ok, golem électir. Je vais laisser la tour. Non mais en vrai, je vais laisser la tour. On peut juste mettre éventuellement en électro avec une petite bûche. Vous savez quoi, j'ai envie de laisser le golem Elex à gauche et de partir à droite. Oui, vous avez compris. Ouais, on va faire ça. Je pense que c'est pas mal. Esprit de guérison. On va repartir à droite. Sort de rage. Oh, il a quand même une bonne def. Hein. Il a quand même une très très bonne def. On va prendre la tour. Ok, il y a du monde. Ah ouais, non, là on va. Ouais, non, là. J'ai beaucoup d'espoir, hein, mais là, ça fait beaucoup. Là, il y a beaucoup sur le terrain. Non, par contre, je veux pas le 3 couronnes. C'est bon. Ah non, mais là, pareil. Les gars. Bah, le dragon d'enfer m'a mis dans la sauce aussi, mais honnêtement, j'ai trop forcé au début. Moins 24, on les mérite. Mais là, ça va pas, là, parce que là, du coup, on rush pas. Donc là, les gars, je décrète le rush activé. Là, les gars, ça y est. On l'a fait sérieuse. Donnez-moi des bons decks et on va passer à 5006. On fait 3 victoires d'affilée. Let's go. C'est décidé. Là, ça y est, on rush. On arrête de troll. Donnez-moi des bons decks. Je rappelle, les gars, si vous voulez envoyer vos decks, c'est sur le serveur Discord qui est dans la description du live. N'hésitez pas à faire un tour. Alors, mais ça, c'est les decks de tout à l'heure. On va descendre. On va aller tout en bas. Je vais prendre les nouveaux decks que vous m'envoyez. Ok. C'est un carnage. Hein. C'est un carnage. Donnez-moi des bons decks. Des trucs sympas, là. Oh, c'est un bordel ici. Attendez, il faut que je me mette un peu plus haut parce que sinon, le... On a celui-là, mais celui-là, il est un peu chelou. Celui-là, j'ai envie de le jouer. Mais non. J'ai dit bon deck. Quand même sympa, là. Le PK avec le méga chevalier. Mais non. Des bons decks, les gars, des bons decks. Oh, c'est full bug. Il y a trop d'envois. Faut que je remonte un peu parce que sinon, c'est bugué. Ah, ça, c'est pas mal. Le deck de Nickelka 26. Un petit molos ballon, les gars, je pense que c'est safe. Je pense que c'est pas mal. Pour commencer le rush, ça me paraît bien. Oh, et la connexion perdue qui est insupportable. Hop. Ok. Là, les gars, je crois en vous. Hein. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance pour les decks. Je crois en vous. Donnez-moi vraiment vos meilleurs decks. Bon, je me suis un peu précipité avec la Valkyrie dans le fond du terrain, mais ça va. Tout va bien. On va juste y aller en machine volante. Tranquillou. On lui monte pas trop pour l'instant qu'on joue Molos Ballon. On y va tranquille.
qu'on a quand même deux... Ah les gars, je vais avoir une dent contre ce putain de fût qui me fait paniquer. Non, le dragon! J'ai loupé le zap! Mais quelle andouille! J'ai loupé le zap, mais c'est pas possible. Et ce fût à squelette qui me fait paniquer, c'est terrible. Oh, Pastor, je vais te déchirer. Pastor, tu vas te prendre un push. Non, ça y est, là, ça m'a vénère. Là, ça y est. Il y a toujours une game où ça me pique mon ego. Et cette game-là, elle me pique. Cette game-là, elle me pique. Oh, mais il y avait le zap, j'ai... Ok, c'est du méga chevalier. Rigolez pas dans le chat, c'est pas drôle. Ça m'énerve, d'accord. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Il prend la douille. Le ballon chez. Je vais garder les flèches. Oh, le ballon qui remet pas un coup en plus. Ok. On a bien gratté. Et on a bien défendu. Non, je rage pas. Je vois pas de quoi vous voyez, de quoi vous parlez. Je suis perdu. Je suis perdu. Alors. Ok. Ce putain de ballon de fût qui arrive. Oui, j'aime pas le fût. Ça y est, ça me fait rager. Ok, il va falloir que je fasse ça. Et en vrai, là, on va zap. Ok. Là, on a quand même du monde qui arrive derrière, donc on peut repartir avec un ballon. Ok, flèche, 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 flèche. Prends la tour, prends la tour. Si on prend pas la tour, on est foutu. Hein. Pas balancé, mais on est quand même dans une situation un petit peu délicate. Ok, go, 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 go. Allez, allez. Le ballon. Non. La bombe qui prend pas la tour. Non, non. Mais c'est une honte. C'est une honte. Le ballon qui était sur la tour, il tape pas. Et le 41 points de vie, là. Ah, j'ai le seum. J'ai le seum. J'ai le seum. J'arrive pas à taper, non mais... Je suis énervé, j'ai le seum. Pourquoi ça veut pas se taper? Oh, le score là. C'est pas possible. Je sais pas taper sur un putain de clavier. Mais c'est un... Là. Voilà. Je suis vénère. Je suis vénère. Bon. Là ça va pas, là ça va pas. On est en situation de crise, d'accord. Pourquoi toi tu veux pas? Ok. Il me faut des decks, il me faut des decks, il me faut des decks. Il faut qu'on rush, on peut pas dérush comme ça. C'est pas possible. Non, ça on oublie, ça on oublie. Donnez-moi des bons decks là. Oh, mais c'est un bordel. Le bot, il est au bout de sa vie. Ok, là on a des decks. On a des decks. Ok, Pepito qui nous propose un petit PK. Ouais, on a du PK, ça peut être pas mal. Oh, ce deck, il est bon. Kim Hoon qui régale. Kim Hoon qui m'envoie un petit deck qui normalement... Enfin, c'est un ancien méta. Ouais, quoique. Hein. Ah, quoique... Ouais, non, il est tendu. Il est tendu, ce deck. Oh les mousquetaires. Ah ouais non mais Carton, j'ai envie de jouer ton deck mais... Pff. Allez vas-y, vas-y, full mousquetaire. Carton. Mais je suis vraiment débile hein. Il y a un deck qui est très bien, qui est méta, très équilibré qu'on m'envoie. Je dis non pour prendre ça. Et après je m'étonne de rager. Non mais je suis débile aussi. Mais je cherche aussi. Alors on est contre Yuluz de PK Army. Avec un deck quadruple mousquetaire. Tout va bien. Ah, j'ai loupé des dents d'ailleurs. J'y arrive. J'y viens juste après. J'y viens juste après. C'est risqué. Je sais pas trop quoi faire d'autre. Ok.
les mousquetaires qui vont s'annuler. Ah, je pense que je me suis précipité là. Je vais montrer mes 3 mousquetaires. Faut que je la joue plus calme. Faut quand même bien gratter à gauche, ce qui est cool. On va la jouer plus détente. Petite fournaise. Heureusement pour moi, il a pas de sort. Mais j'ai failli. j'ai failli rager. Vous avez vu, j'ai failli rager. On va attendre le double élixir pour mettre les 3 mousquetaires vu que ça prend 3 ans à poser. On va juste en mettre une à droite. Pour la défense. Et ouais, il y aura une rediff, hein, vous inquiétez pas. Il y aura une rediff. Et j'aimerais bien qu'elle soit bonne. Du coup, j'aimerais bien qu'on gagne un petit peu. Un petit esprit qui prend tout, les gars. Digne d'un pro player, évidemment. Non, le cochon. Non, non. Cochon qui tape. Ok. Bon, par contre, il a pas de gros sort. Hein. Il a que un séisme. Donc, les gars, là, c'est le moment où on se régale. Les 3 mousquetaires qui sont posés. Et là on sépare tout. On sépare tout simplement absolument tout. Mousquetaire à gauche, ouais, mousquetaire partout. Hop, ça on sépare. Ok, ça m'arrange, il force à droite. Ah, il défend bien hein. Non, non, je me suis loupé. Je me loupe beaucoup trop. Là il va forcément partir en cochon. De l'autre côté. J'ai pas compris son move. J'ai pas compris son move mais je prends cher. Ok. Oh, il a tout pour me défendre. Il a plein de petites troupes. Je sais pas comment je peux passer les gars. Pourquoi est-ce que je joue ce deck? Pourquoi est-ce que je joue ce deck? Mais je suis débile aussi. Pourquoi je me fais du mal comme ça? J'ai dit que je voulais rush. J'aime pas ça. Non, non. J'ai dit qu'on prenait des bons decks. Prenons des bons decks quand même. Mais c'est terrible. Non les gars, là faut que j'arrête, là faut qu'on prenne des bons decks. Là il me faut des bons decks, faut que j'arrête de troll dès que je vois un deck un peu marrant. Il me faut des bons decks. Alors, des bons decks, il faut pas que je... des bons decks, faut que je reste sur la bonne trajectoire. Attends, du coup je rattrape les dons. William qui a refait un petit don, merci à toi William. Blast qui a fait un don également, encore bravo pour le zap, t'es trop chaud. Merci à toi Blast. Matt qui a fait un don également, salut Hashtag, tu m'as mis KO avec le zap JPP. Mais c'est pas drôle le zap les gars, j'ai le seum d'accord. C'est réel. Et merci à toi Martin pour ton responso, re-bienvenue à toi. Alors, vous voyez celui-là là en haut, le golem élixir, il est marrant, j'ai envie de le jouer. Il faut pas. Par contre le petit deck GR tour à bombe là machin, il est bien défensif, j'aime beaucoup. De Elandé. Elandé j'approuve. Allons-y. La faut rush les gars. Il faut rush. Je refuse de perdre. J'ai un honneur à sauver. Allons-y. Ok, on est contre Mrad83. C'est parti, bonne chance. Là normalement on peut pas perdre. Là franchement on a un bon deck. Pouah, ce timing. Il était pas large hein. On a tous vu le prince taper sur notre tour. Ok PK. On part à droite du coup en GR. Allons-y. Ok Tesla. J'ai pas envie de mettre la tour à bombe, la boule de feu tout de suite. On a un petit coup, ok. Attends un peu de voir ce qu'il joue.
ça, mais d'où ça tape? D'où ça tape? Je suis nul. Je suis nul. Je peux pas la perdre. Je lance. Je fais un lancer d'iPad si je perds. c'est prévenu. C'était quoi aussi ce placement de la tour à bombe? Je suis débile. Oh. Mais là, du coup, forcément. Ah oh, non, mais là. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Alors, attendez. Parce que là, s'il te plaît, remets la Tesla ici. Please. Parfait. Non, on va essayer de faire passer le truc un petit peu là quand même. Parce que le bout d'un moment, on rigole, mais on est quand même là pour gagner. On dirait pas, je sais, mais... C'est quand même le plan à la base. Ok, c'est pas trop mal. On est reparti. Ah dommage, j'ai voulu pré-shot la Tesla. Je sais pas s'il a un sort. Il a un sort. Il a un sort. Il a un sort. Non mais... Même les bons decks ne... Même les... C'est terrible. C'est terrible. Voilà, j'en ai plus rien à faire. Là, je prends n'importe quoi. Là, je suis plus à ça près. Là, ça y est, on est en tilt. Je prends les pires decks. Ça y est. Peut-être qu'on va gagner avec les pires decks. Peut-être qu'il va se passer un truc. Y a quoi qui n'a aucun sens là parmi les decks qu'on m'a envoyé. Non, ça iPad. Non mais les gars, oh, pas quand même pas lancer l'iPad. Restons calmes. Y a pas un truc qui a aucun sens là, un bon gros truc. Oula. Un bon gros truc avec des tanks là ou un truc comme ça. Vous avez pas ça pour moi en réserve? Il y a du 2.6 ici. Mais là c'est ce que je regardais tout à l'heure. Oh le lockbait. Oh le lockbait. Oh le full gobelin là avec le. Oh j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. On va prendre ça. Ça c'est bien, ça c'est un bon deck. On va gagner avec ça, vous allez voir. Vous allez voir qu'on va gagner avec ça. Ah, l'erreur, connexion perdue, insupportable. Merci à toi Tommy pour ton don. Joue avec mon deck s'il te plaît, lâche pas. Je peux pas trouver ton deck Tommy, je suis désolé. C'est un peu le bordel comme t'as vu dans le chat. Mais merci à toi pour ton don. Attendez, du coup faut que j'aille récup. Hop, ça, juste là. Ok. On part avec ça, on est plus à ça près. Et vous allez voir qu'on va gagner un peu. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est qu'on va gagner. Ok. Gang de gobelins. Gang de gobelins. Oh, il a mis la bûche. 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 Et du coup, il a plus de bûche. Parce qu'il a mis la bûche. Oh là 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 là. Ça, ça me plaît. Ça, c'est ce que je veux voir. Putain, il a une boule de feu. Ça, c'est moins ce que je veux voir. Tiens, chais, sapeur dans ta gueule. Mange ça! Est-ce que je suis un peu vénère? Non, je veux pas de quoi vous parler. je veux pas de... Non, tout est bien. On est très très calme. On n'est pas du tout en tilt. Tout va bien. Alors. Les gobelins juste là. Ah, il a remis la bûche! Il a remis la bûche, il a remis la bûche, il a mis 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 la bûche. Il a mis la bûche, il a mis la bûche, il a mis la bûche. Et du coup les gobelins qui grattent. Il a toujours la boule de feu par contre, ça n'a pas changé. On re-sapeur.
Quoique là. Ok. Ça fera pas grand chose. Il a remis la bûche. Il a mis la bûche. Et du coup, nous on met le fût. Et du coup, il a rien. Ok. Dernier gobelin qui vient un petit peu finir tout ça. J'ai pas un emote bûche là quelque part. Ouais, mais mes emotes, les gars. Il est où l'emote? Merde, attendez. Attends, quoi? Non, peut-être. Quoi? Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, non. Il a mis la bûche! Ok. Une tour partout. Mais les gars, j'ai trop d'emotes. J'ai trop d'emotes. Elle est où les... Ils sont où les emotes bûche? Ah là! J'en ai qu'un. Alors par contre là. Là par contre, mettre la bûche en double élixir, frérot, tu vas te prendre Bagdad. Mais là, là, c'est pas autorisé. Bah oui, il y en a partout, évidemment. T'as mis la bûche, frérot. Mais je vais pas gratter. Non, non, arrêtez. Je vais pas gratter. Ah là, par contre, il a mis sa bûche en défense. Donc, attendez, mais ça va être chaud en plus comme battle. Oh, je peux pas la perdre. Non. Je la perds pas celle-là. Non, là, il a pas la bûche. Mais putain, il me pré-shot quand même. Je déteste ce type. Mais il a mis la bûche. Ah mais il doit re-l'avoir. Je vais le bait. Oh, il a mis la bûche. Ok, c'est pas mal. Il défend, tu sais pas comment. Ouais, corner. Il va me battre, hein. Il va me battre. What? Pourquoi il a fait ça? Ah oui, d'accord. Oh non, je suis déçu. Ah, celle-là, je voulais la gagner. Bah, il a mis la bûche, mais bon, il avait un peu trop de bûche, quoi. Il avait un peu trop de bûche. Oh non, non, non. Non. Il a mis la win. Ah ouais, il a mis la win, effectivement, ouais. Ah ouais, mais je pouvais pas défendre le cochon, les gars, j'avais rien du tout. J'étais ultra sensible au sort. Dommage. Dommage. Voilà, je suis fini. Là, les gars, là, c'est la fin. C'est la fin. Je n'ai plus d'espoir. Je joue n'importe quel deck. J'ai perdu foi. Oh, regardez, un double prince sans rien d'autre. Ça, c'est drôle. Un double prince sans rien d'autre. Ça, c'est un bon deck qui n'a aucun sens. Il est où? Oh non, je l'ai perdu. Il est là, non? Non, ça, c'est un golem. Non. Oh, celui-là, il est pas mal non plus. Ah, oh, celui-là, il est pas mal. 5.5 de moyenne. 5.5 de moyenne, pardon. Oh, vas-y, on va prendre le 5.5. J'ai perdu l'autre. Hades. On va prendre celui-là. Je reteste un coup les pouces bleus, voir si ça marche peut-être un jour. Les compteurs, j'avoue que sur YouTube, c'est un petit peu aléatoire. Je vous avoue que c'est pas forcément le truc le plus plaisant. Je reteste de le mettre vite fait. Ok. Alors. Oh, la connexion, c'est insupportable. Bon, les gars. Il faut remonter, je sais pas comment on va faire. Mais après, avec ce deck, les gars, on peut se permettre de partir en 3 couronnes. Ça part tout droit, là. Ça part tout droit avec ça, normalement. Vas-y, let's go. On est contre Saitama. J'ai presque envie de partir, mais faut pas le faire. J'ai presque envie de partir golem et vraiment aller, genre, tout droit. On va tempo pour l'instant. On va tempo pendant 2 minutes. Et ensuite, on va mettre un vrai gros push. Et là, ça va être drôle. Let's go.
On a les recrues, donc on est bon. On n'est pas si bon là en fait. Je suis en train de me dire... Je vais devoir faire ça quand même. L'avantage c'est qu'on va voir au moins quel sort il a. Ah, il défend pas avec des sorts, ok. On va pas défendre à gauche. On va prendre les deux. On va juste défendre le fût. Quand même, c'est le minimum. Ok. 40 secondes. 40 secondes. C'est ultra lourd ce deck. Oui, littéralement, Anatole. Ouais, effectivement, on est sur un deck bien lourd. Et on commence à être derrière là. Parce que là du coup j'ai pas les recrues en main pour aller gérer le prince. Oh non, 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 pas sur le sorcier frérot. Et j'avais pas les recrues. Perds pas la tour. Dommage. Bon écoutez c'est pas grave, on va partir en gros push. De toute façon c'était, on le savait hein, en voyant ce deck, c'était à peu près le scénario certain. Saitama qui dit bien joué. Saitama, tu vas te prendre un karma. Ah, je suis juste obligé de mettre ça vite fait. Histoire de pas trop prendre cher. Et là, ça part. Attendez, je suis juste obligé de faire ça parce que sinon on peut prendre cher. Ok, recrues qui partent. Sorcier aussi, parce que sorcier il va avoir du mal à le défendre. Et là le clone, là le clone, là le clone. Y'a rien qui a survécu. Y'a rien qui a survécu. Oh ça va être chaud. Ok l'armée. Oh il s'est planté. Oh on peut la win. On peut la win. On peut la win. Faut que je parte. À mon avis faut que je reparte en golem en vrai. J'ai un peu peur parce que je me dis si je pars en golem et qu'il me rush, je suis mal. Non. Non. Non, 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 non. Ah, il peut me finir à la roquette. Dommage. J'avais peur de ça. Oh non, bah il va même pas me finir à la roquette. Ah, dommage. Dommage. J'avais pas vu la roquette venir. Oh, mais les gars, mais c'est un dérush. Mais j'ai jamais vu ça. C'est pas possible. Pourquoi? Mais pourquoi je n'arrive pas à taper sur ce clavier? Mais c'est quand même putain de terrible. Oh! Là. 4-10. 4-10. 4-10. Oh, et les pouces bleus qui arrivent. Comme de par magie. Ouais, oh, les gars, faut que je sois digne des pouces bleus. Faut que je sois digne des pouces bleus, faut rusher. Il faut rusher. Là, les gars, on s'amuse, mais il faut rusher. En même temps, je suis au niveau, les gars, parce que le reset, il a eu lieu il y a pas si longtemps, et du coup, on joue pas contre des mecs nuls. Hein. Je suis sûr que si on regarde le profil des mecs contre qui on joue, les gars, c'est pas n'importe qui en face. Hein. Ouais, voilà. Non, mais parce que non, il faut quand même le préciser. Les... Bon. Je joue contre des mecs qui ont fait des 7000 trophées. Bon, lui, il a fait quoi? Il a fait 6003. Bon, ça va. Lui, il a fait 6000. Bon, évidemment, il, bon, en fait, j'aurais peut-être dû rien dire, mais c'est vrai qu'on a enchaîné les défaites, là. 6003. Bon, ça reste quand même pas mal, hein, 6003. Quand je joue avec des decks qui n'ont aucun sens. Concentrons-nous. Il me faut des bons decks. Envoyez-moi des bons decks, les gars. Envoyez-moi des bons decks. J'ai besoin. Là, il faut qu'on rush. Là, en vrai, il faut qu'on rush. On peut pas juste full des rushs. C'est pas possible. Je refuse. Il faut qu'on re-rush. N'hésitez pas encore une fois, hein, si vous voulez m'envoyer vos decks, à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description du live. Ah oui, ça me plaît. Le deck de Infinity Dead. Non, je l'ai perdu. Il est où? Il est où? Non, 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 non. Oh, c'est terrible, ça défile trop, les gars. Ça défile trop. Je vois plus rien. Non, il y avait un bon deck de Infinity. Je voulais le jouer. Et là, je sais plus où il est, là, les gars, c'est un bordel.
Ah, oh, Infinity, je suis désolé. J'ai perdu ton deck. J'ai perdu ton deck. Je ne sais pas où il est. Ça full spam, c'est terrible. Alors attendez, du coup, est-ce qu'on a un bon deck? Est-ce qu'on a un bon deck? Je vais essayer d'en snipe un dès que je le vois. Ah, c'est pas mal ce géant. Ah, il me plaît celui-là. Patte de crabe. Non, c'est pas... Non, non, non! Qu'est-ce que tu fais? Patte de crabe. Patte de crabe, un petit géant, Zappy. On n'en a pas encore joué. Ça peut être marrant. On va tenter. Connexion perdue. À chaque fois, il y a un channel où te donner un deck où on te le donne en message privé. Il y a un channel. Il y a un channel. C'est le channel dans lequel je suis qui s'appelle Donnez vos decks. Hop. Voici. On va tenter avec ça. On va le tenter. Il a l'air pas mal ce deck, les gars. Faut qu'on arrête le dérush. Il faut qu'on arrête le dérush. Je veux qu'on soit en 10-10, ok? C'est bon pour tout le monde. Je veux qu'on soit en 10-10. On va rush. Je vous le dis, on va rush. En plus, on a fait des belles games, les gars. Faut qu'on remonte. Ok, vas-y, on va partir en Zappy. Hein. On va partir en Zappy. Ok, il a voulu essayer de sauver son... Ah, attendez, attendez, attendez. Il a voulu essayer de sauver son sorcier, ça n'a pas fonctionné. Là, on a un bon push, du coup, je le tente. Oh, il s'est loupé en plus. J'hésite à remettre un... Ah, il a bien joué. Il a bien joué, mais peut-être le sort de rage sur le Zappy. Ça permet d'avoir un coup. Oh, il s'en retape. Ça, ça fait plaisir, les gars. Merci pour les 3000 pouces bleus. Merci à vous. Les gars, je vous le dis, là, ça y est. Il y a les pouces bleus qui sont arrivés. Je vous le dis, là, on re-rush. On va passer en 10-10 facile. Ça sent bon la victoire. Évidemment que ça sent bon la victoire. Alors, comment dire? On va perdre une tour, mais... Ah oui, ah oui, en effet, ouais. Et là, on peut rien faire contre. Mais non, non, on va y arriver. On va rush, les gars. Je vous le dis, on remonte. Je vous le dis, on remonte. Et je compte sur vos decks. Hein. Je compte sur vos decks, vraiment. Ok. Zappy dans le fond du terrain. Attendez, là c'est délicat. Ah, il a bien joué. Il a bien joué. Est-ce que je peux avoir un petit coup en plus? Ok, il joue bien. Il est pas mauvais en face. Hein. Il est pas mauvais. On va laisser à droite. Parce que malheureusement, on ne peut pas défendre. Il va juste falloir qu'on assure avec une mousquetaire derrière. Pour pas que ça prenne la tour du roi. Et hop, la mini PK directement là-dessus. Ça part en sort d'orage. Ça part en sort d'orage. Le mini PK qui fait le travail. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, mesdames et messieurs. Ça y est. La malédiction est levée. On revient dans le game. Et là, ça y est. Là, je vous le dis, on rush. Là, je vous le dis, on enchaîne les victoires à la vitesse de l'éclair avec n'importe quel deck. Là, ça y est. Là, ça me chauffe, les gars. C'est parti. 3 couronnes. Ce deck, il est validé. On retourne du coup sur Discord. Hop. Je rappelle encore une fois, les gars, que vous pouvez m'envoyer vos decks. Vous avez le lien du Discord dans la description de ce live. N'hésitez pas à le rejoindre et à m'envoyer vos decks ici. Et puis en même temps, j'en profite pour le dire, mais même si vous voulez pas m'envoyer vos decks, vous avez... Ça bug, les gars. Oh, y a tellement de messages, ça fout le bug. Je peux plus aller dans le serveur. Oh, non, mais c'est terrible. Je voulais vous montrer... Ah si, c'est bon. Ça fout le bug. Vous avez plein de salons qui sont juste ici. Hein. Vous avez notamment des salons qui sont dédiés à Clash Royale. Oh, ça fout le bug, regardez, normalement il y a plein de trucs en dessous. Oh là 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 là, vous êtes en train de me casser le serveur. Vous êtes en train de me casser le serveur. Mais bref, ce que je voulais dire c'est qu'il y a plein de trucs, hein. il y a plein de salons qui sont très très cool, donc n'hésitez pas, ça fout le bug. N'hésitez pas à rejoindre les gars, ça ferait grave plaisir.
Je me suis sub tout à l'heure, t'as pas vu. Oui, c'est vrai, effectivement, code créateur, merci à toi. Merci pour ton sub. J'ai loupé des dons en plus, qu'est-ce qui se passe? Tommy, tu peux pas me chercher. Oula. Tommy qui a refait un don, tu peux pas me chercher avec mon username. Non, je suis désolé, Tommy, parce que je peux pas favoriser les donateurs. Sinon, c'est de l'incitation au don. Mais un grand merci à toi en tout cas. Et puis, si je tombe sur ton deck, pourquoi pas, hein, dans la conversation. Je suis perdu, je trouve pas le mot. Mais merci à toi en tout cas. Jonathan qui a refait un don, mais j'en peux plus. Il a remis la bûche. Attends, mais je suis grave à la bourre en fait sur les dons. C'était tout à l'heure ça, non? Je suis grave à la bourre sur les dons. Merci à toi, Jonathan. Théo, merci à toi. Merci d'avoir joué mon deck 4 Moumou. C'était toi, Théo. Tu nous as fait perdre, Théo, je crois. Honte à toi, Théo. Honte à toi. Et du coup, il y a le fameux sponsor que j'ai loupé tout à l'heure. Il y a BPS qui fait un don. Les gars, vous êtes trop chauds ce soir. BPS 308. Tu peux expliquer comment partager le deck, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, attends. On a. Oh, oui. Le deck de Frankie 31. Je te montre. Ce deck-là, je l'aime bien. Et puis, en plus, il y a le fût à l'intérieur. On va tester. Petit deck Golem Elixir. On va voir ce que ça donne. La connexion perdue, on connaît évidemment. On a Shasta qui a fait un don également. Salut Hashtax, mon tout premier don pour toi. Oh, merci à toi Shasta, ça fait plaisir. Merci pour ton don. Alors, attendez. Je prends ce deck là, je vous montre. Il y a trop de trucs qui se passent les gars. C'est n'importe quoi. Pour partager le deck les gars, si vous ne le savez pas, si vous voulez m'envoyer votre deck avec le lien... vous allez tout simplement dans la petite flèche qu'il y a en haut à droite, juste à côté du nom des decks, des différents decks que vous avez. Vous allez là et vous cliquez sur lien et ensuite vous cliquez sur copier et ensuite vous envoyez ça dans le channel Discord que je vous ai montré tout à l'heure, ici là, dans le Discord. Et automatiquement ça fera le changement pour afficher votre deck. Voilà. Alors, on part là-dessus, les gars, je me sens chaud. Et je vous l'ai dit là en re-rush. Ça me ferait mal de tomber là. Ça me ferait mal de... J'avoue que ça ferait mal de dérush. On va jouer le Fuyas squelette qui va maintenant à 12 000 à l'heure. Ce qui n'a aucun sens. Est-ce qu'il a un truc pour défendre? Ok, il a un bourreau. On va tornade ça ici. Comment on fait pour créer le deck? C'est-à-dire créer le deck, Néo. Ok, on a le petit aller-retour du bourreau sur la tour. Ça n'est pas un plaisir. Je me tâte à... Ouais, vas-y, go, contre-attaque. En vrai, contre-attaque. On est pas mal, on a du monde, on a le poison qui va venir en plus. Oh, ok, il joue un méga chevalier. Très bien. Je pense que la petite Valkyrie... Oh non, j'ai loupé la Valkyrie. Je voulais qu'elle... C'est pas grave, tout va bien. On ne rage pas. Restons calmes. Je veux gagner cette game. Et je n'en démordrai pas. On a pris un peu tarif des deux côtés. Mais tout va bien. Ok. On arrive en double élixir. Donc là, c'est le moment où on va commencer à mettre des gros push. Ah, en plus, oh, il me donne un méga chevalier. C'est parfait ça, regardez ça. On va gérer le méga chevalier, on va partir dans le fond du terrain. Non, peut-être pas en fait, on va partir ici. Il m'embête quand même vachement ce bourreau en fait. Parce que du coup, il est en train quand même de vachement tout me gérer. Oh, what? Alors, c'était pas prévu comme ça en fait. J'avais pas prévu les choses de la sorte. Oh, mais c'est trop bien! Les artificiers! Oh, j'avais pas vu les dommages qu'on a eu, mais qu'est-ce qui se passe? Le poison?
Je vous ai dit les gars, le karma est de notre côté. Hein. Je vous ai dit. Faut juste faire un peu gaffe maintenant aux barbares d'élite qui peuvent arriver. On va recycler sur un poison. Et normalement, ça devrait le faire tranquillement, mesdames et messieurs. Oh là 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 là, les gars, je vous ai dit, ça y est, c'est le re-rush. Ça y est, on rush. Ça y est, on rush. Avec ce deck, du coup, les gars, le fût est trop fort. Envoyez-moi des decks avec le fût. Des decks avec le fût à squelette. Je veux jouer ce fût à squelette. Il est incroyable. Il est incroyable. Hop, 6-10, on remonte. Envoyez-moi, les gars, des decks fût à squelette. J'en ai besoin. C'est beaucoup trop fort. Pendant ce temps-là, moi, je débloque le coffre juste ici. Ok, on a quoi? Il me faudrait du colis. On va essayer d'aller chercher ça. Du géant royal, non. Du bombardier, non. Et du fût, non plus. Ok. Alors, vous me proposez quoi? Envoyez-moi du fût, les gars. Le fût, il est trop fort. Le fût, il est beaucoup trop fort. Oh, 200 messages. Non, mais les gars. Oh, mais les gars, vous me cassez le serveur. C'est terrible. C'est absolument terrible. Oh là 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 là, mais regardez ça, c'est incroyable. Adrien, il nous envoie quoi, Adrien? Est-ce que le deck peut se charger? Non, mais c'est... Je vous dis, vous êtes en train de me casser mon serveur. Et d'ailleurs, on est 8500 sur le serveur Discord, merci à vous. Ça fait plaisir. Oula, Adrien, non, par contre. Adrien, frérot, j'essaie de rush. Oh, ce deck. Oh, oui. Inspecteur, je sais pas quoi, je suis désolé, j'ai cliqué vite sur ton deck pour pas le perdre. Vu que j'en ai déjà perdu 2-3 tout à l'heure. On va jouer ce deck. Ce deck qui me plaît. Avec le fût, le clonage, le bon vieux squelette fût clone. J'aime beaucoup. Pendant qu'on a eu un don de la part de Noctalis. Un grand merci à toi. Bon comme d'hab. Je te fais le don de 20 balles. Puis belle game. Merci à toi Noctalis. Ça fait grave plaisir. Merci pour ton soutien. Et on a aussi un nouveau sponsor sur la chaîne. Birolo. C'est ça. Birolo Benjamin. J'essaie de pas écorcher le nom. Merci à toi Benjamin. Bienvenue parmi les sponsors. Et Benjamin, dans le serveur Discord du coup qui est dans la description où je prends les decks, tu trouveras un petit espace réservé pour les sponsors. Je t'invite à y faire un tour. Et remercie à toi Noctalis pour le don. Et désolé pour le désponsor, t'inquiète pas Noctalis, hein, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Merci pour tes dons en tout cas, ça fait grave plaisir. Alors, est-ce qu'on tente ce deck? Il me paraît pas mal. Ok, on est contre final boss. On va repartir fût à squelette les gars. Fût à squelette, c'est si vous savez pas quoi jouer, vous mettez un fût à squelette et puis basta. Ça fait tellement le travail. Ah mais regardez ça, mais ça gratte. Non mais les gars, le fût à squelette est abusé. Je ne veux que des decks avec le fût à squelette. C'est pas possible. Ok, chasseur, très bien. Archer magique, moins bien. Ok, on gère. Oh oui, vous le voyez. Vous le voyez, évidemment, le clonage qui tombe. Ah, il a une bûche. Rip la bûche. J'avoue, la bûche fait mal. Ah oui, d'accord. Alors attendez, parce que là, il y a du monde. Ok. Bon, ça va, on gère. Tout va bien. C'est quoi la communication pour... oula, c'est quoi la communication commerciale? C'est juste que c'est Discord, en fait, qui sponsorise ce live. On a fait une pierre de coup, puisque moi, je cherchais un moyen de faire... Ah, GG. Oh non! Oh, le heal! Quoi? Ça prend la tour. Ok, c'est un scandale. Deux secondes. J'arrive, je réponds à la question. Là, j'ai une affaire à régler. Hop, ça part comme ça. Ça prend la tour. C'est bon. On a pris la tour. Oui, donc la communication commerciale, c'est juste que je cherchais un moyen de faire ce live où du coup, je prends vos decks directement pendant le live. Et c'est pas possible sur le chat parce que vous imaginez si je dois copier... à chaque fois, chaque deck, carte par carte, c'est un enfer. Et du coup, j'ai trouvé la solution via Discord. Et du coup, j'en ai profité pour faire un petit truc sponsorisé par Discord. Une pierre de coups.
Mais globalement, ça change vraiment strictement rien au contenu du live. Est-ce qu'on mettrait pas un petit clonage là? Un poil tôt, dommage. Cette archimagie qui nous embête quand même. Hein. Oh, c'est dommage. Oh oui, la voleuse. La voleuse qui est pas mal. On gratte encore. Ouais, ça, c'est ce que... C'est ce que je craignais. Un petit peu. Ok. Il faut qu'on prenne notre temps. Attendez. Il faut qu'on prenne notre temps. Ok. Oh non, 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 non. GG. J'ai pas vu la tour tomber aussi vite. Ah, j'ai mal joué sur la fin, dommage. Alors, 10, 11. Pourquoi je n'arrive pas à taper sur ce clavier? C'est quand même terrible. 10, 11. Ah, dommage. Mauvais. Je pense que j'ai été mauvais en vrai. J'aurais pas dû perdre la tour aussi rapidement. C'est le mini PK. Mais non, c'est le mini PK into heal de tout à l'heure qui m'a mis dans la sauce en fait. Je pense. Mais ce deck là est pas mal. Bon non, par contre on peut pas dérush les gars. Non, j'ai un honneur à sauver quand même. J'ai un honneur à sauver, il faut qu'on rush. Je vais pas m'arrêter tant qu'on n'a pas rush. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Alors attendez, vos decks. Il y a du cochon juste là. Il y a beaucoup de cochons. Vous aimez bien le cochon, hein, vraiment, c'est votre délire. Voyons voir, il y a pas mal de golems aussi. On a quoi ici? On a du méga chevalier ballon. Ok. Ah, du cavabélier rapide. Ah ouais, c'est du cavabélier en 2.6. Ok. Là, il n'y a rien dans ce deck-là, là, Romain. Il n'y a pas nous une condition là-dedans. Ah, vous savez quoi, les gars? Je vais quand même jouer ce deck. Parce que quand on joue à un deck avec, assez compliqué comme ça, on est obligé de se concentrer et on est obligé d'être inventif. Et j'ai besoin de me mettre dedans, là. J'ai besoin de faire une victoire avec un deck un peu compliqué pour reprendre un peu la confiance, pour me remettre un peu dedans. Et vous allez voir qu'on va la gagner celle-là. Et après, c'est une machine et on avance. Il va perdre. Je vois que c'est la confiance en moi dans le chat, vraiment. Ok, pour l'instant, on tempo. Je rappelle, j'ai absolument rien pour gagner dans ce deck. Donc on va devoir trouver des solutions. Ok. T'as loupé deux dons. Ouais, je les regarde juste après. Je regarde pas trop les dons pendant que je suis en game parce que sinon, en général, ça se termine en défaite. Et déjà que là, en ce moment, c'est pas dingue. Ok, il joue du méga chevalier. Très bien. On a l'info. Je tente de mettre un peu la pression. Il a de quoi défendre. Il a de quoi défendre. On va essayer de gratter au sort un peu. Éventuellement. Faudrait que j'arrive à faire connecter un dragon en fait. Je sais pas comment. Mais il faudrait que j'y arrive. Ok, Valkyrie. Là en vrai, il y a peut-être moyen. Ok, dragon de l'enfer. Oh, là, il a beaucoup dépensé en vrai. J'ai envie de le faire paniquer à droite pour qu'il mette son méga chevalier. Non, il le met pas. Il va falloir que j'arrive à trouver une ouverture. Comment? C'est une bonne question. Mais il va falloir qu'on y arrive. Je pense que là, il va mettre un méga chevalier. Ok. Boule de feu qui va partir ici. On va percer, les gars. On va percer. Il faut qu'on perce la défense.
Là, logiquement, je pense... Ah ouais, non, mais il a aussi ça. J'aurais dû mettre la boule de feu avec, mais c'était un peu risqué. Oula, 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 oula. Ok. Je sais pas comment on va percer cette défense, hein, je vous avoue. Après, je pense qu'on commence à prendre un peu l'avantage. Mais est-ce que ça va être suffisamment à temps? Parce que du coup, il me gratte au sort. On va tenter un truc à droite. Ok, go. Ah ouais, mais non, mais ça passe pas. Hein. Il arrive à tout bien défendre. Non, 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 non. Ok. Là, on est en triple élixir. On est en triple élixir. Est-ce qu'il a déjà le méga chevalier? Ok, il l'a. Ok, là il a un poil trop forcé. Peut-être à gauche. Ah ouais, mais non, mais faut défendre. Faut défendre. Ok, peut-être la contre-attaque. La contre-attaque, elle peut être pas mal. Ah, il a les flèches. Ah non, dommage. Il va avoir les flèches pour terminer. J'ai tout donné. J'ai tout donné, les gars. Good game. Bon, c'était pas la victoire que j'espérais. Hein. J'ai voulu me lancer un petit défi, mais non. Non, 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 non. On va retourner sur des decks classiques. Je cherche vraiment toutes les techniques possibles et imaginables pour essayer de rush, mais bon, en même temps, peut-être que toutes les techniques possibles et imaginables, c'est peut-être pas de jouer ça. Je vous l'accorde, c'est un peu désespéré. Bon, je vais prendre un bon deck. Là, je vais prendre un bon deck. Là, il nous faut un peu de win. Là il faut de la win. Il faut de la win. Il me faut de la win, là, parce que ça commence à... C'est le dérush, j'ai plus le moral. Là, il faut de la win. Il faut de la win. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Ça, on l'a déjà vu. Envoyez-moi des bons decks, les gars. Envoyez-moi des bons decks. Ah, ça peut être intéressant, là, le petit PK séisme qu'on a vu. Vincent qui renvoie un deck, mais on a déjà vu un deck de Vincent. Comment t'envoyer un deck sur Discord? Faut que tu rejoignes tout simplement le serveur, frérot. Et ensuite, t'as un channel qui s'appelle Donnez vos decks. Alors, petit golem élixir. Ah, celui-là, il est marrant. Non, mais faut pas que je joue des decks marrants. Je me fais tenter depuis tout à l'heure. Et là, on est en 6-12. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Envoyez-moi des bons decks, les gars. Des vraiment bons decks. Vos meilleurs decks. Attendez, parce que là, du coup, je suis au début du truc. Et là, du coup, ça full spam. Faut que je sois un peu plus haut le temps que je vois les decks que vous m'envoyez. Fouf. Il faut qu'on remonte. Hein. Les gars, je vous le dis, je n'arrête pas ce live tant qu'on n'est pas remonté. Une fois qu'on est remonté, on peut troll. Ça, c'est pas mal en vrai. Alors, il n'y a pas de clonage, il n'y a pas de mineur. C'est ça qui m'embête. Là, il n'y a pas assez de trucs. Kylian, il envoie quoi? Méga chevalier. Ça peut le faire, ça, en vrai, clonage. J'aime bien le deck de Kylian. On va essayer ça. Je pense que ça peut être pas mal. En vrai, celui-là, il peut être pas mal. Et en plus, il est assez fun. Connexion perdue, évidemment. Faut qu'on remonte, les gars. Là, faut qu'on tryhard. En vrai, là, on va commencer à vraiment se focus dans les games. Je refuse de terminer ce live en dérush. Je refuse. C'est quoi ton Discord hashtag? C'est dans la description du live. Et d'ailleurs, vous êtes énormément rejoints. Donc, un grand merci à vous.
Ok. Chasseur, juste là. Ah oui, les dons, j'ai encore oublié les dons. C'est vrai, c'est vrai. J'y viens juste après. Puis à squelette, on va le mettre là plutôt. Là les gars, je vais vraiment focus. Je vais vraiment focus. J'ai trollé là. Je troll depuis tout à l'heure. Mais là, ça va pas. On peut pas être en négatif avec les decks des abonnés. Ce n'est pas autorisé. Ok, chasseur dans le fond du terrain. Il y a une méga juste là. Ok. Je me tâte à foncer quand même. On va peut-être... Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais, non, mais écoutez, bon. Ah non, ils ont un PK. C'est le pire truc, frérot. Ah, le PK, c'est le pire truc. Bon, après, ça va. On a la charrette pour aller défendre tout ça. Ça devrait être bon. Je pense qu'on est pas trop mal sur cette battle. On devrait pouvoir le faire. On devrait pouvoir le faire. Ok. Vas-y, on repart. On fait la même que tout à l'heure. Gros push à droite. Gros push à droite. Méga chevalier également. Ok, la foudre qui tombe. C'est pas étonnant. Et là on go. Là on go. Il faut le clonage maintenant. Please, 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 please. Ok, le clonage qui est passé. Double charrette qui est en train de taper. Et on va repartir dans le fond du terrain. Non. Ah, l'esprit qui a sauté sur la tour de gauche. Pas se le permettre ça. On ne peut pas se le permettre. Ça va gratter un petit peu là avec le fût. Très légèrement. Ah, elle est tendue en fait cette battle. Hein. On n'arrive pas du tout à passer. Non! Par contre, là, je pense qu'il force. En vrai, là, je pense qu'il force. Et je pense que là, il y a peut-être moyen de caler sur la droite. Un petit push. Ok. Le petit clonage qui est passé aussi. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait. Regardez ça. Ça gratte sur la tour. On reprend l'avantage en termes de points de vie. On va même prendre la tour là-dessus. Quasiment. Le méga chevalier, peut-être. On rush, les gars. Je vous le dis. On rush. Là, ça y est. Non, mais là, ça y est. On a trollé, on a rigolé. C'était très sympa. Là, maintenant, on prend les choses au sérieux. On rush. 7-12. Allez, let's go. On enchaîne. Ça y est, là, je suis chaud. On revient sur les dons vite fait, du coup, que j'ai loupé. J'en ai loupé combien? J'en ai loupé combien? Vic Loser 33 qui m'a fait 1, 2, 3 dons. 4 dons. Merci à toi, Vic Loser. Un grand merci pour tes dons. Ça fait grave plaisir. On a Nathan aussi qui a fait un petit don. Merci à toi, Nathan. Lucas qui a fait un petit don avec, la fameuse poire. Merci à toi, Lucas. Et Guillaume, qui a fait également un don. Yo, H, super vidéo. Vas-tu faire plus de Brawl Stars? Je compte en faire de temps en temps du Brawl Stars, mais plus... avant, j'en faisais régulièrement. Là, je compte en faire de temps en temps, plus à titre exceptionnel, lorsqu'il va y avoir des nouveaux brawlers ou des nouveaux trucs comme ça, des petits pack opening, des petits lives, tout ça. Parce que j'aime toujours le jeu et j'y joue toujours. Mais c'est juste que je peux pas tout faire et du coup, je préfère me concentrer sur Clash Royale, principalement. Alors, du coup, on repart. On repart sur le serveur. Allons-y. Je rappelle hein, pour tout le monde, si vous voulez rejoindre le serveur Discord, c'est dans la description du live ou de la rediff. Vous trouvez du coup le serveur, vous rejoignez ça et vous arrivez. Vous avez juste un règlement à accepter et vous arrivez directement sur un truc qui ressemble à ça. Vous allez dans le salon, donnez vos decks et vous m'envoyez le lien pour copier votre deck. Il y a tellement de messages, les gars, c'est un bordel. Ce deck-là. Non, il n'y a pas assez de sorts. Il n'y a pas assez de sorts, ça me fait peur.
Là, on a quoi? On a un petit molosse ballon. Ah, il est classique. Il est classique, mais il est pas mal, ce petit molosse ballon. Allons-y. Ça nous a porté plutôt chance, hein, je crois, molosse ballon jusqu'à maintenant. Donc, on va tester ça. Hop, on met ça juste là. C'est une version classique. Franchement, cette version du molosse ballon, elle existe depuis très très longtemps. Donc, allons-y. Non, j'ai pas le son. Attendez. On tente un truc. Le son bug parfois, les gars. Donc, je rallume le jeu. Ok, on a le son. Ok. Bon, on est bon. On n'a pas trop perdu. On va partir à droite comme ça. Ok. On a juste les gardes pour aller défendre, mais ça devrait suffire. Ah! Bah ça va pas suffire en fait. Ah ceci dit, ok ça va. J'avais pas vu mais on a pris la tour de droite en fait. Enfin quasiment. Donc en fait on limite les dommages. Enfin on limite. C'est à peu près égal. Donc on est bon. Tout va bien. On va le faire les gars, je vous le dis, on va rush. Je vous le dis, c'est garanti. On lui laisse la tour, c'est pas très grave. On va repartir comme ça, on peut partir en 3 couronnes en vrai, ça se fait. Hein. C'est complètement faisable. Lui, il va tenter un truc sur la tour du roi, mais j'ai pas du tout confiance en fait. Alors attendez, parce que... Ah, éventuellement, ça peut nous faire mal en vrai. Ah, il nous a fait mal en fait. Attendez. Boule de feu qui va partir ici. Attendez, parce que c'est pas si évident que ça là en fait, qui est en train de se passer sur ce terrain. On va peut-être devoir partir à gauche. Ouais. Je suis pas fan de ce move. Notre bébé dragon qui va faire le boulot. Là maintenant faut défendre. Ok. Donc lui il se prépare à partir tour du roi. Donc en fait si on réussit la défense on est bon. Ok je pense que la méga suffit en vrai. Je pense que la méga suffit. Et là du coup on n'a plus qu'à partir avec le ballon. Direct. Oh j'avais pas vu. J'avais pas vu. On a pris tellement cher. S'il y a une poudre, on est mort. Il a pas de poudre. Oh, j'avais pas vu, on a pris tellement cher. On est mort en fait. J'avais pas vu du tout. Le dernier truc qu'on peut faire éventuellement, c'est ça. Ah, mais même ça, c'est mort, ouais. Bien joué. J'avais pas vu, je pensais pas qu'on prendrait aussi cher. Je pensais qu'on pouvait encore prendre un peu de dommage. Bon, molosse ballon, on va laisser sur le côté. Hein. Molosse ballon. Ah, mais les gars, mais en full lose, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. Molosse ballon, on oublie. On a quoi d'autre? Il va encore des rushs. Non, mais là c'est terrible. Hein. On ne remonte pas. Merci à toi, Vic Loser, encore une fois pour ton don. Et Jimmy, merci à toi pour tes deux dons. Alors, ça me plaît par contre. Ça me plaît. Là, le deck de ah, c'est Shasta qui a fait un don tout à l'heure. Allons-y. Un petit golem, on revient aux bases. Là, ça devrait le faire. Là, en vrai, ça devrait le faire. On va pas se laisser faire comme ça. Merci à toi, Siegfried. Pour ton nom, Yotel Meilleur et Go Rush, merci à toi frérot. On essaye de rush, hein, on essaye. Mais j'ai l'impression qu'on gagne plus souvent avec des decks trolls qu'avec des vrais decks. Ce qui n'a aucun sens.
Alors, on va caler une petite bûche pour protéger la charrette. Ça, on attire tour du roi. On est pas mal là sur ce début de game. Merci à toi Guillaume pour ton nom, petit soutien pour le dérush et force et honneur. Non mais jamais on dérush les gars. Non mais arrêtez de dire qu'on dérush. On ne dérush pas, d'accord? Je refuse le dérush. Je le refuse. Je vous le dis, je le refuse. On ne parle pas de dérush. Il y a pas de dérush. Ça n'existe pas. Là, on tempo. Et dès qu'on va envoyer la sauce, les gars, ça va être monstrueux. Je vous le dis. Dès qu'on va commencer à sortir le golem, dans 30 secondes. Ah, il me faut juste le prince ténébreux, genre maintenant. Pile poil. Ok. Et là, maintenant, du coup, dans 10 secondes. Non, mais là, ça y est. Non, mais là, les gars, je vous l'ai dit. Là, je suis vénère. Là je suis vénère, là je veux qu'on rush. Je veux qu'on rush. Et on va rusher, je vous le dis. La méga, on n'a pas besoin de s'en occuper. On part en golem. On part en golem, on ignore. On s'en fiche, complet. Je suis pas fan de son... Alors moi qui veuille partir en... Ok ouais, il fout, il all-in à gauche. Très bien. Ah, je pense que ça passe en vrai. On n'a pas besoin de défendre plus que ça. On a quand même un golem sur tour à gauche. On va essayer de forcer du coup un petit peu. La foudre elle fait combien? 400 et quelques. Je crois que ça suffit, non? Avec la bûche. Ah quoique, non ça suffit pas. Faut full death, là faut full death. Non. J'ai pas de chance, non mais j'ai pas de chance. Non mais là les gars j'ai pas de chance, la game elle était gagnée. La game elle était totalement gagnée. Là l'univers est contre moi, c'est pas possible. Vous en êtes témoin quand même. On devait la gagner celle-là tous les jours. Comment est-ce qu'on a perdu avec ce deck? Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'on a perdu avec ce deck? C'est pas possible. Même moi, j'y crois pas. T'as pas utilisé la tornade parce que de toute façon la boule de feu faisait suffisamment de dommages. À partir du moment où le mineur connectait, c'était fini. Et j'ai voulu cycler. Allez, golem, ça m'a dégoûté là. Je veux pas jouer golem. Le zappy, ça a bien marché tout à l'heure en vrai. Zappy bouliste, il est marrant ce deck. Cooking. Merci à toi encore, Shasta, pour ton nom. Perdre avec le deck que tu m'as fait découvrir. Ouais, non, mais je suis nul là. Ça va pas du tout. Je sais pas comment j'ai pu perdre avec ce deck, il est très bon pourtant. Si vous avez des décalages les gars, ça vient pas de moi, ça vient de YouTube, donc juste recharger le live. Ça devrait régler le problème. Ok, Zappy. Normalement là, avec Zappy PK les gars, on est contre un golem. Si là on perd... Ah là il me faut ça, très vite, le gang! Je me fais éclater.
Je me fais éclater. Non mais les gars, non mais c'est terrible. Je me fais éclater. Je me fais éclater. Non mais c'est terrible. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ok. On part en zap. Je peux pas me laisser faire aussi facilement, vous le savez. Ah mais je suis tellement derrière déjà là pour commencer. Oh, en plus il a un zap en bonus. Et j'ai rien pour aller chercher le dragon non plus. J'ai pas réussi à pré-shot. J'ai pas de... Ah ouais mais j'ai pas de... J'ai rien anti-aérien en fait. J'ai rien d'anti-aérien. Là c'est compliqué. Hein. Je vois pas comment on prend la tour. Il reste 40 secondes. J'ai rien pour aller gérer le dragon. Je sais même pas ce que... Honnêtement, je sais même pas ce que je peux tenter là. Ouais, j'aurai pas le temps quoi qu'il arrive. Pas de défense aérienne dans ce deck. J'ai rien pour aller gérer le dragon. Du coup, c'était foutu. Ah là, le deck était dur. Le deck était dur. Moins 21. Ah non, mais quand je vous dis que là, l'univers est contre... Putain, on est en 7-15, mais comment c'est possible? Il me faut des bons decks les gars, envoyez-moi des bons decks, vraiment, je compte sur vous là, il me faut des decks qui carry. Il me faut des bons trucs. Là ça va pas. Alors attendez, je fais un point don pendant ce temps là. Merci à toi du coup Arthur pour tes deux dons. Deck Ballon Rage, Ballon Rage on va voir si on en a, mais il faut des bons decks. Hein. Je m'en fiche de quel type de deck c'est, mais tant que c'est des bons decks, moi je prends. Et je précise aussi Arthur, hein, parce que je vois que t'as fait un deuxième don avec d'autres cartes du deck. Je peux prendre les decks que sur Discord, donc je peux pas les prendre dans les donations. Mais merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Envoyez-moi des bons trucs, s'il vous plaît, par pitié. Là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. On a de l'Arc-X ici, mais c'est pas une bonne version. Attendez, j'attends que ça spamme un petit peu plus. Il y a le bot. Normalement, il y a un bot hein, qui monte les decks, mais il y a tellement de messages que c'est n'importe quoi. Et merci pour les 4000 pouces bleus aussi, merci à vous. Ah, il y a une version classique de GR là. Ah, Jason. Vas-y, Jason, on va prendre le GR. Ça, c'est un bon deck, on le sait. Ça fait très longtemps que ça tourne. On doit gagner avec ça, on doit gagner. On reconnaît comme d'habitude. Le serveur Discord, hein, pour ceux qui veulent envoyer vos decks, c'est dans la description du live. N'hésitez pas à faire un tour. Merci à toi, Martin. T'es courageux de jouer nos decks. Ouais, y a pas, c'est pas toujours évident. Mais ça me fait marrer. Mais là, le problème... Enfin, pourquoi, la raison pour laquelle on est à 15 défaites, c'est normalement on devrait rester à peu près stable. Mais là, on est à 15 défaites parce que je gagne pas non plus, même avec les bons decks. C'est ça qui est inquiétant. C'est qu'on est en dérush. Et on devrait pas être en dérush. Mais on va re-rush les gars, je vous le dis, hein, je suis déter. Alors, on part avec ce deck. Let's go. On est contre Worst Game. C'est parti, bonne chance. On va mettre une fournaise juste là. Ok. Bon, ce deck il est bon. Non mais les gars, il faut qu'on... Je ne veux pas terminer ce live sur un dérush. Je vous le dis. On va terminer, on va remonter et je sais pas comment on va faire, mais on va le faire.
et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos decks. Et dès qu'on est à peu près à équilibre, on pourra retroll un petit peu avec les decks. Mais là, je veux pas perdre des trophées. Je ne veux pas perdre de trophées. On va devoir laisser ce GR passer. Ok. Tout va bien. On s'installe tranquille. On va envoyer une fournaise à droite comme d'habitude. Géant royal. Dans le fond du terrain. Comme d'hab. On tempo pour l'instant. J'aurais dû mettre le... l'électro. C'est pas grave. Et je place mal ma fournaise. On n'est pas chaud là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça par contre, ça dégage. Hein. Ça par contre. Là, on est bien. Là, on est très très bien. On a le GR qui tape sur la tour. On est bien installé. On a l'électro qui est toujours en main. Oh, on fait tellement dommage. Ça me plaît. Ça, c'est ce que je veux voir. On va mettre une méga juste ici. Et là, cette fois-ci, on peut partir en fournaise du coup du côté gauche. J'ai mis ce clic. Je sais, j'ai mis ce clic. Après, ça va. Elle est quand même dans une position qui permet de tanker pour le... pour le cochon. Je pars à gauche. Vous inquiétez pas. Je gère. Il veut partir à... ouais, je suis pas fan de son move. Ok, il a une boule de feu. On va quand même mettre énormément de dommages. Hein. On va quand même se mettre très très bien. Et là, on peut partir à droite du coup parce qu'il vient d'utiliser la tombstone. On va terminer la tour comme ça. Et là, normalement, c'est easy win. L'électro-sorcier qui va tomber juste ici pour aller défendre tout ça. Le bûcheron qui part derrière. Mais c'est bon, il le sait, il l'a abandonné. Good game, well played. Ah, ce deck, il est bon. Ah, les gars, il me faut des bons decks. Il me faut des bons decks. Et là, ça y est, on remonte. Il faut terminer, là. Il faut mettre un terme à ceux des rushs. Et il faut remonter. J'avoue, un petit PK spam raise là, j'aimerais bien. Ok, plus 32. Plus 32. Donnez-moi vos decks. Donnez-moi vos decks. Donnez-moi vos decks. Oh, 100 nouveaux messages, les gars. Oh, c'est terrible. Il y a trop de trucs qui se passent. Hein. Garde ce deck. Non, j'essaie quand même de varier. Allez, on joue le jeu quand même, les gars. Le but du live, c'est surtout de jouer vos decks. Donc, on va quand même tourner. Et d'ailleurs, les gars, n'oubliez pas, hein, parce que je ne l'ai pas beaucoup dit, mais n'oubliez pas, si vous kiffez le live et vous voulez pas louper les prochaines vidéos et tout ça, n'oubliez pas de vous... c'est ici. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On est à 347 000. Bientôt, il est 350. Donc, ça serait vraiment cool. 350, c'est quand même un nouveau palier. Donc voilà, n'hésitez pas si vous kiffez ce live et que vous n'êtes pas déjà abonné. Pareil pour les pouces bleus si vous kiffez. N'oubliez pas tout ça et encore une fois, rejoignez le serveur Discord. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas que ce channel pour m'envoyer les decks. Il y a plein d'autres trucs de dispo dans ce Discord. Vous pouvez jouer en vocal avec des gens si vous voulez en 2v2 pour des défis par exemple. Vous pouvez partager vos decks, demander des conseils. Vous avez les news qui sont là. Vous avez plein de choses. Vous pouvez me suggérer des idées de vidéos. Il y a plein de choses dans le Discord. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour même si vous ne voulez pas m'envoyer vos decks aujourd'hui. On a quoi du coup? On a quoi? Oh oui, ça me plaît. J'ai vu. Le deck de CC. Non, pas ça. Il est où? Non, CC. CC. Non. CC, je t'ai perdu. CC, j'ai mis ce clic. Je suis désolé. Je sais pas où tu es. Ah si, il est là. Attendez. Il était pas loin, je crois. Est-ce qu'il était pas... oh non, mais les gars, mais vous voyez, vous le voyez comme moi. C'est tellement le bordel. J'arrive pas à repérer les decks. Non, c'est, je sais plus où t'es. Mais je crois que c'était pas loin de ça, non? Il y avait un deck. À moins que vous spammiez les decks, c'est ce qui est possible aussi. Ouais, non, j'ai perdu le deck. Hein. Il y avait un petit. C'était un PK cabane que je voulais prendre. Qui était vraiment sympa. Il y a quoi d'autre? Ah, celui-là, il est bon. Le deck de Vincent P. Il est où? Oh, je suis perdu. Là, Vincent P. Vincent P. Celui-là, il est très très fort de deck. Celui-là, il est très très fort. C'est un deck avec les cochons. Et disons-le, c'est l'un des meilleurs. Enfin, c'est l'un des meilleurs de la méta dernière.
Remonte, c'est un peu plus haut. Ouais, je sais, mais il y a tellement de spam, tellement de bordel que c'est compliqué même de remonter. Ok. On copie ça, on met ça là. Normalement, alors je crois qu'il y a une version avec l'esprit de guérison à la place. Mais bon, on va partir comme ça. Ok, on est contre Nicoboss du clan Légolois. Allons-y, on va mettre un peu la pression. Avec les esprits, très bien. L'archer magique pour aller défendre la Valkyrie. Ok, ça tourne. J'aimerais bien que tu me mettes une boule de feu ou un truc comme ça. S'il te plaît, Nicoboss. Non, tu veux pas? Ouais, j'ai un peu panique là. Non, mais ça tape quand même! Scandaleux, scandaleux. On va pas se laisser intimider par ça, c'est pas grave, ça a tapé, c'est qu'un coup. Oh là, il a panique. Il a panique avec les flèches, donc ça c'est cool. Donc on a vu les flèches, on a vu les flèches, il doit avoir sûrement un deuxième sort. J'aime bien le concept, hashtag. Bah, j'espère que vous aimez bien ouais, le concept en tout cas. On va tenter les cochons. J'espère que vous aimez bien ce concept. Si c'est le cas, je pourrais peut-être refaire des lives régulièrement. Où je joue vos decks, je trouve ça cool. Ok, on a le mini PK qui va défendre ça. Je tryhard là les gars, je vous le dis, je veux remonter ce score. Oh what? Ok, il a mis une foudre là non? Je regardais pas, je regardais le chat. Je crois qu'il a mis une foudre, donc ça veut dire qu'il a vraiment pas de défense. Ah mais là il a les flèches, je suis débile, je viens lui offrir des flèches. Oh quoique, il a mis la Valkyrie, parfait. Ouh. Ok, cochon royaux. Oh là, on a un petit colis royal. Un peu d'interaction avec des abonnés, c'est super. En vrai, ouais, c'était un peu le but. En vrai, bah justement, attendez. Je vous explique l'histoire après. Non, mais tout, tu te connectes à la tour. Attendez, je rage et je vous explique comment cette idée m'est venue. Archer magie. Mini PK. Là on va partir, on va y aller. Non le... Bon c'est pas grave. Oh ok, séisme. Go. Non. Non, ça a touché la tour. Je suis pas bien là, je vais pas vous mentir. Oh non. Y'a rien qui va, rien qui va, good game. Ouais, ça, on va des rushs, hein. On va des rushs. Non mais c'est terrible. Je fais deux défaites pour une victoire depuis tout à l'heure. Et pourtant là encore une fois on avait un bon deck. Alors attendez, on va repartir sur un autre deck. Qu'est-ce que je voulais dire? Noctalis, non mais j'ai loupé 12 milliards de dons. Attendez, je me remets sur le serveur. Je vais remater vos decks pendant que je lis les dons. Du coup Noctalis, tu dois gagner, c'est mon deck que je joue depuis 7 mois. Du coup tu m'as fait le don tout à l'heure, je suis désolé. Mais je crois que j'ai perdu, hein. Probablement j'ai perdu avec. Merci à toi en tout cas Oula, je suis... Calmons-nous, je suis perdu. Noctalis, merci à toi. Stifler qui a fait un don également. Super live comme d'hab, tu vas remonter, je le sais. C'est compliqué quand même, là je veux pas assassiner tes espoirs, mais c'est un peu compliqué. Abero, merci à toi. AH, ça fait longtemps, depuis 2016 que je te suis, je regarde toutes tes vidéos. Et même si t'es parfois un peu moins bon... Oh, Abero, fais gaffe à ce que tu dis par contre. On va pas être potes, hein. C'est toujours un plaisir, merci à toi en tout cas. Et Jonathan qui a refait un don, j'avais oublié. GG pour les 7000 trophées, la vidéo était cool et c'est assez impressionnant. La fierté était visible. Merci à toi Jonathan, ouais c'est vrai que je suis content d'avoir fait les 7000. C'était un bon moment. Et en plus, je me suis motivé pour le faire en vidéo. Parce que normalement, je joue pas trop en vidéo. Ah voilà, attendez, là on a un petit PK sympathique. Normalement, sur les paliers de trophées comme ça, quand je rush, je le fais pas en vidéo parce que je suis moins concentré en vidéo et en live. Mais là, je me suis dit, vas-y, je vais le faire en vidéo, ça peut être cool. Et c'est passé, donc c'était génial. Alors, et oui, du coup, l'histoire que je vous disais aussi tout à l'heure.
Pff, non mais j'ai trop de trucs à raconter les gars, non mais c'est terrible. Ce que je vous racontais tout à l'heure du coup c'est que cette idée de ce live je l'ai eu en fait parce qu'il y a un petit salon qui s'appelle Votre Suggestion qui permet en fait, qui vous permet de m'envoyer des idées de vidéos. Et il y a un truc qui revenait souvent, c'était que je joue des... Enfin que je fasse des trucs avec les abonnés en fait. C'était... Pourquoi ça veut... Mais qu'est-ce que tu... Oh! Full bug les gars, vous me pétez mon... J'ai plus de batterie. Vous me pétez mon serveur Discord, c'est terrible. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, ça vient des suggestions du serveur Discord en fait. Et j'ai compris que vous vouliez que je fasse plus de concepts comme ça, où je joue vos decks, etc. Et du coup, j'ai commencé à le faire. Voilà, voilà. Merci à toi Arthur pour ton nom, un an que je joue et 6050 trophées, t'en penses quoi? Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, pourquoi est-ce qu'on se fait agresser dès le début? Après, moi, je suis mauvais juge dans le sens où... je sais pas... Prends cher. Prends très cher. Je sais pas à combien de trophées t'es censé être. Enfin, vu que moi, je joue depuis 4 ans, je sais pas à combien de trophées ça commence à être bon ou pas. Quand ça fait un an que tu joues. Mais ça me paraît plutôt pas mal. Hein. 6000, c'est plutôt bon. Alors, concentrons-nous. On a pris cher déjà. Je sais pas, non mais les gars, on doit avoir un karma. Je sais pas ce que j'ai fait de mal. Mais là, depuis tout à l'heure... Enfin, depuis tout à l'heure. On n'arrive pas à gagner. Même quand on a des bons decks, on n'arrive pas à gagner du tout. Ok, la voleuse, elle va être relou. Je suis obligé de mettre un électro. Ok, ça va tenir. C'est nickel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a une tour, donc ça, c'est cool. Est-ce que je pars PK fond de map? Non, on n'est pas encore en double élixir. Je peux pas me faire surprendre par le ballon, mais j'ai pas trop le choix, en fait. J'ai un peu rien pour défendre le ballon. Oh, il joue PK aussi, ok. Là, par contre, PK fond de map. Et je sais pour la batterie hein les gars, si je l'ai dit c'est pas pour rien, c'est que j'ai remarqué. Et j'ai mis le chargeur, ne vous inquiétez pas. Problème. J'ai voulu défendre mais j'ai mal défendu. Attendez, je suis pas en confiance là. Je suis pas du tout en confiance. Parce que le problème qu'on a, c'est que j'ai vraiment que l'électro en fait pour défendre le ballon. Je n'ai que l'électro. Donc je vais tenter un gros push. Et je vais garder en fait électro et gargouille éventuellement. On va tenter un gros truc. Je suis focus à mort, mais je veux vraiment pas des rushs. Hein. C'est pas des blagues. Hein. C'est pas des blagues du tout. Oh, il a eu une gargouille. Ah, ça va passer, ça va passer. En vrai, il a paniqué parce qu'il aurait pu me mettre très très mal avec les ballons. Ça passe. On va remonter, il faut qu'on remonte. Il faut qu'on remonte. Ok, 9-16. 9 à 16. Très bien. On repart. On va reprendre des decks. Ouh. Alors, on a quoi? Ah, j'ai vu du... Ok. Non, on a plein de decks. On a plein de decks. Attends, mais ça, c'est... je crois que j'ai déjà vu... Oh, c'est un bordel ici. C'est un bordel. Non, mais regardez. Je vous mets... Ça, c'est à quoi ressemble le chat. Hein. Voici à quoi ressemble le chat. On va essayer, j'ai bien envie de tenter là le... Ah bah tiens, c'est le deck de Jonathan. Jonathan qui a fait un don tout à l'heure de 50 balles. C'est le minimum, on doit jouer son deck. Et pour le coup, vous avez vu, je suis tombé dessus. Hein. C'est pas du favoritisme. Merci à toi Romain pour ton petit don aussi. Ok, on va jouer le deck de Jonathan. Il peut passer en vrai, il peut passer. Ah, ouais, attends, par contre j'avais pas vu. Jonathan, c'est quoi ce deck? Attends, Jonathan, viens là, qu'on s'explique deux secondes. C'est quoi ça?
Pourquoi il y a deux gros sorts et pas de petits sorts? Pourquoi est-ce qu'il y a deux sorciers? Jonathan, c'est quoi ce truc? C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ok, on est contre Fino. Après, j'y crois. Je crois à ce deck. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je crois à ce deck. Je pense qu'on peut faire un truc. Ok, on a un prince dans le fond du terrain. Mais ça nous dérange pas trop, honnêtement, vu qu'on a un prince tout court. En défense. Ok. Je tempo pour l'instant. On va regarder un peu ce qu'il nous joue. Très bien. C'est du bélier. Je pense pas qu'on ait besoin de plus défendre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est partir à gauche. Oh oui, on va partir à gauche. Oh oh, bien sûr qu'on part à gauche. Là en plus on a le truc de soin, c'est parfait, ça lui met une petite pression, le petit poison qui va partir ici en plus. Dommage, on va se prendre la voleuse dans les dents mais c'est pas grave, au moins on gère la pompe avec le poison. Et ça c'est l'essentiel, c'est ce qui est important. C'est une fossile ta montre, bien vu mec. bien vu, bah c'est Karmi qui est, je suis perdu. Je sais pas comment t'as vu ça Karmi. Alors. Pile poil. Oh, cette défense. Pile poil. Est-ce que je peux mettre un petit esprit de guérison pour aller tanker et éventuellement soigner? Oh, ça va pas soigner. Ok. Je me suis foiré sur l'esprit, c'est pas grave. Tout va bien. Pour l'instant, le deck de Jonathan qui fonctionne, hein. J'ai pas envie d'aller gérer sa pompe en vrai. J'ai pas envie d'aller gérer sa pompe. J'ai envie de mettre la pression plutôt du côté droit. Ok. Enfin, l'avantage c'est qu'on est quand même contre du 3 mousquetaires et on a du bol, on joue deux gros sorts. Merci Jonathan. De feu. Ah, il va quand même nous mettre très cher là. Il va quand même nous mettre très cher. Il me faudrait le cavabélier genre maintenant. Genre maintenant. Pas genre maintenant tout à l'heure. Ok, là par contre il a forcé je pense. Oh quoi que hein. On passe plus là hein, depuis tout à l'heure. Ah dommage. Dommage. Je sais pas trop où est-ce qu'on a foiré. Il a commencé à nous mettre la pression. Ah dommage, non en vrai je pense qu'il y avait vraiment moyen de gagner celle-ci. Je sais pas comment on a perdu. Je sais pas du tout. On a cédé à la pression. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Alors, merci à toi, Geneka Sensei. Est-ce que ouais, je crois que c'est ça. J'essaye de pas trop massacrer les pseudos. Merci à toi en tout cas. Bienvenue parmi les sponsors de la chaîne. N'hésite pas à rejoindre le Discord encore une fois si tu vas avoir tous tes avantages et accéder à la petite partie réservée aux sponsors. Et merci à toi Karmi pour ton don. À quand une belle longine d'ailleurs? Je sais pas, je varie les montres. J'en ai quelques-unes. Alors, bon c'est dommage, j'ai perdu avec le deck de Jonathan alors que j'aurais dû clairement gagner, honnêtement. Disons-le.
Mais ça veut pas, hein. Les gars, aujourd'hui, ça veut pas. Il va falloir l'assumer, hein. Ça veut pas, ça veut pas. On a quoi comme deck? Ça perd l'hippopète. Ah, le petit. Oula. Non, mais ça fout le bug! Je peux pas voir les decks! Qu'est-ce qui se passe? Non, mais regarde, non, mais vous êtes témoin, je ne touche pas à l'iPad. C'est terrible. On a quoi? J'ai perdu le deck du coup que j'avais vu tout à l'heure. Ah, si ça perd l'hippopète, je l'ai reperdu. Ah, s'il est là. Ok. Un petit cochon classique. Ça me paraît pas mal. Un petit cochon, bourreau tornade. Ça devrait faire le taf, ça, normalement. Pour la 10e victoire, j'espère. Ok. Alors. Je sais pas trop quand je vais finir le live, les gars. Je pense qu'on se dit encore une petite demi-heure, ça devrait le faire. J'espère qu'il soit pas trop tard non plus. Et de pas trop faire durer le live. Une demi-heure, ça me laisse le temps de rattraper ça aussi. Donc ça devrait être bon, je pense. Ok. Je pense que le bourreau va faire le taf. Ouais, pas besoin de plus. J'ai la voix qui commence à se péter aussi. Je sais pas si vous entendez. Et il y a des petits sons qui sortent parfois. Qui ne sont absolument pas voulus. Ok, l'esprit juste là pour attirer tout le monde au centre. La Tesla qui va faire le travail. Pour l'instant, ça se passe bien. Là, je pense qu'on a une fenêtre. On a un petit truc à faire là. Avec la Valkyrie. Il n'y a pas la. Ah, il n'y a pas la roquette. Normalement, il y a la roquette dans ce deck là. Normalement, il y a la roquette. Et du coup, sans roquette, ça risque d'être embêtant. J'avoue. J'avais pas calculé ça. Bon, on va défendre du coup. On va défendre. Bourreau à gauche. Je t'en peux encore une fois. En fait, là, en fait, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse passer un cochon qui mette beaucoup de dommages. Sinon, on va être derrière. Là, on est pas mal. Et là, il a claqué une foudre. Pour pas grand chose, honnêtement. Et on va essayer d'arrêter de placer la Tesla. Parce qu'en gros, plus on place la Tesla, plus on se place défensivement. Et moi, je veux attaquer là. Donc on va arrêter de la mettre. Et on va partir directement comme ça. On va essayer d'outcycle le mini PK. Le problème, c'est qu'entre le mini PK et la fournaise, c'est impossible de passer quoi. À moins qu'on sorte un move de génie d'absolument nulle part. Ok, ça part en cochon. On commence à mettre une belle pression, honnêtement. Très, il fallait la roquette. Hein. Il faut la roquette dans ce deck. Il n'y a pas le choix. Oh what? Quoi? Pourquoi? Quoi? J'ai pas compris pourquoi on a pris aussi cher, mais très bien. Non. Ah putain, on prend tellement cher. Je peux pas passer, les gars. Je peux pas passer. Il faut la roquette dans ce deck. Pourquoi y a pas la roquette?
Il reste 30 secondes. Oh, il y a un GR maintenant qui sort de nulle part. C'est quoi ce truc? Ouais, c'est mort. Il fallait la roquette. Et il n'y avait pas de roquette. Non, GG. Ah, je peux rien faire là. J'ai tout donné, hein. Mais je peux pas passer. Je peux juste pas passer. Et on revient au fameux un tiers de tiers. Ça veut pas passer, hein. Je fais de mon mieux, mais là, je peux pas passer. Alors, on a le shop qui est juste là. Petit coffre gratos. On va reprendre un deck. On repart sur Discord. Allons-y, donnez-moi des bons decks, les gars. Donnez-moi des bons decks. Bien équilibrés, s'il vous plaît. Là, il fallait une roquette dans ce deck-là. Tu peux pas jouer cochon, bourreau, tornade sans roquette. Alors, attendez, on a des trucs ici. Qu'est-ce qu'on a de bien? Il faut que je remonte, les gars. Il faut absolument un truc. Donnez-moi des solutions. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a un gros deck, mais on l'a joué tout à l'heure. Mon avis, on peut se permettre, je pense, de jouer un petit golem. Un petit golem pour se remettre un peu en confiance. Il est où? Attendez, je l'ai perdu. Là, de le roi. Le roi Sipper. Petit golem. Pour prendre une win facile. Ça peut être pas mal. Alors, il y a une boule de feu. Ouais, il n'y a pas de petit sort. Ouais, le deck golem est quand même assez chelou. Hein. Mais bon, on va s'en sortir. Tu choisis trop, prends au pif. Déjà, mec, j'essaye de gagner. je choisis très peu parce que t'as vu le nombre de propositions qu'il y a. Je prends juste les decks que je vois. Et j'essaye juste de varier. Alors attendez, comment est-ce qu'on va négocier cette game? On a déjà pris très cher. Je sais pas comment, je sais pas d'où. Ah si, il y a eu un cochon qui est arrivé, ouais. Donc il faut qu'on garde la cage goblin. Ok, il y a un bourreau. Peut-être moyen qu'on le fume comme ça, le bourreau. Ah, dommage. J'aurais voulu que le dragon finisse le bourreau avec la boule de feu. Ok, bon. On va négocier ça comme ça. On va continuer de tempo jusqu'à temps qu'on ait en double élixir. Parce que je pense qu'avant, contre un cochon, on va se prendre tarif. Si on met le golem, il nous met le cochon et on est fini. Par contre, il a pas de gros sort, je crois. Et ça, on peut peut-être en profiter. Comment vous dire? Ah mais en plus, mais attendez, mais c'est le cochon qu'on vient de jouer. Sauf que lui, il a la roquette. C'est exactement ça en fait qui est en train de se passer. Vas-y, envoie ton cochon, frérot. Voilà, on sait que tu l'as. Ok. On défend ça, tranquillement. Oh, le cochon qui remet un coup. En traître à la fin. Et on passe pas. Non mais c'est terrible. Non mais les gars, là franchement j'ai envie de pleurer. Là les gars, je suis au bout. Pourquoi est-ce qu'on passe pas? Pourquoi? Quoi qu'on fasse? Non. Bah mais ça valait même pas le coup de faire ça en fait. Là, je crois qu'il peut me finir la roquette. Enfin, il a juste besoin d'une bûche.
Bûche roquette, ça finit, je crois. Ouais, c'est terminé. Les gars, non mais en plus... En plus, j'ai pas de bol. Je suis maudit. Aujourd'hui, je suis maudit. Je sais pas quoi vous dire. Pareil, sur cette game, je pouvais rien faire. Ah, c'est dur. Je sais pas quoi vous dire. Merci à toi, Romain. Peux-tu faire une dédicace à Mathilde, s'il te plaît? Je fais pas de dédicace d'habitude. Prenez pas l'habitude. Non, mais je le dis tout de suite. Parce que si je commence à en faire une, il y en a plein. Mais voilà, je sais pas qui est Mathilde, mais dédicace à toi, Mathilde. Et calmez-vous les autres. Je le dis tout de suite. Merci à toi, Romain. En tout cas, ça fait plaisir. Subi Forever qui a fait un petit don aussi. C'est le hashtag je te regarde depuis le Québec. Bah, bienvenue à toi sur le live, frérot. Depuis le Québec, je sais qu'il y a plein de gens qui nous regardent de partout. À chaque fois, c'est un plaisir. Donc, bienvenue à tous. Attendez, non, c'est là que je voulais aller. Sur Discord. Alors, on est en 9-19 là, les gars, je pense qu'on est fini. Hein. Là, je pense que l'espoir du rush, il est terminé. Qu'est-ce qu'on a de sympathique aujourd'hui? Il y a tellement de... Il y en a de partout, ça n'a aucun sens. Voyons voir. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas joué là depuis longtemps? Parce qu'on a quand même joué pas mal de trucs aujourd'hui. Ça y est, Jonathan qui troll. Une dédicace pour mon chat, s'il te plaît. Merci à toi, Jonathan. Et Chris Multigaming PS4, merci à toi pour ton don. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Du golem, on vient de le jouer, donc c'est non. Qu'est-ce qui peut être cool? Qu'est-ce qui peut être sympa? Ah, ça, j'aime bien. Attendez, il n'y a que un zap. Vas-y. Salim Taz. J'ai pas trop bien vu ton pseudo parce que j'ai cliqué vite pour pas perdre le deck. Celui-là, il me plaît bien. Il est très chelou. On est plus à ça près, les gars. On va essayer des decks hein, maintenant. Parce que on est plus à ça près. On est en dérush quoi qu'il arrive. Donc, essayons des decks. Alors, hop. On va ouvrir. On met le deck ici. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. Hop. Merci à toi, J-Lo, pour ton don. Je t'adore. Continue comme ça. Merci à toi, frérot. Merci à toi. Oh là là, mais il y a trop de... Les gars, vous êtes on fire aujourd'hui. Merci à toi, Stevenson, pour ton don. Enfin, pour ton sticker. Salut toi. Salut à toi, frérot. Ok. Alors... Chasseur, juste là. Après, on est en début de saison. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que les mecs qu'on affronte sont pas forcément nuls. Hein. La preuve, il vient de me préchotter une foudre. Il m'a mis bien dans le mal. Bon, c'est pas des mecs à 7000 trophées non plus là. Je pense, vu qu'en plus on a des rushs. Mais il y a moyen que ce soit des gens qui soient entre 6000 et 6005. Ce qui est plutôt pas mal quand même déjà. Ok, le golem qui sort. Ah, il a une foudre, hein, c'est ça le problème. Je suis obligé de faire ça. Est-ce que le chasseur, il one-shot la... Oh, il one-shot la méga. Ok, ça, c'est une bonne info. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une petite contre-attaque sympa, là, avec un petit bélier de combat? Oh, il a un mini PK. On va voir comment il gère le zappy. Ok. Il le gère bien. Ok, artificière. Je vais partir à droite. Parce qu'en fait, on n'a aucun intérêt à partir à gauche vu que notre tour est basse, il peut nous foudre. On va juste faire en sorte qu'il puisse pas facilement nous finir la tour. Et on va essayer de partir à droite. On n'a pas de... Oh, on a rien pour l'aérer en fait. Je viens de me rendre compte. Oh non, le zappy qui y est passé, non! Le zappy qui aurait pu survivre, ça l'aurait mis tellement dans le mal.
Il reste 20 secondes, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Je veux bien essayer de tenter un truc, hein, mais là je pense que c'est fini. Oh, quoique! C'était pas loin en vrai! Non mais les gars, le jeu se fout de ma gueule. Le jeu me nargue. Vraiment, le jeu me nargue. J'arrive plus à taper. Non mais c'est terrible. Eh, vous savez quoi? On va faire un truc. Non, mais de toute façon, on est en dérush. On va pas re-rush. On va enlever le score. On va enlever le score. Et vous allez m'envoyer... Mais vraiment, des decks infâmes. Je pense qu'on en a encore pour un petit quart d'heure. On va faire quelques battles avec des decks, mais infâmes. Des trucs, mais terribles. Vraiment, envoyez-moi les pires decks possibles. Et je vais essayer de gagner avec. On va faire ça pour la fin du live. N'hésitez pas, je rappelle, hein, si vous voulez m'envoyer vos decks, c'est dans la description. Vous avez un lien pour rejoindre le serveur Discord. Et sur Discord, vous avez un petit channel, un petit salon qui s'appelle Donnez vos decks. Et vous pouvez envoyer vos decks. Donc n'hésitez pas, et puis même si vous n'êtes pas intéressé par le fait de donner des decks, vous pouvez toujours rejoindre pour voir un petit peu ce qu'il y a. Il y a plein de trucs qui sont très sympas, donc n'hésitez pas. On est bientôt 9000 d'ailleurs, on est bientôt 9000. Donc voilà, envoyez-moi vos pires decks maintenant. Bon, on va troll hein, pour la fin du live, tant pis, hein, j'ai perdu des trophées, c'est pas grave, on est en début de saison. J'ai essayé de rush avec vos decks, non, c'est vrai que ça s'est pas très bien passé, mais je pense que j'aurais pu mieux jouer quand même. Donc je vais pas trop mettre la faute sur vous quand même. Un petit peu. Parce que bon, il y a quand même des decks qu'on a joués qui étaient discutables. Mais non, j'avoue, il y a certaines battles que j'ai mal jouées. Alors, j'attends un petit peu parce que le temps que vous fassiez des decks un petit peu horribles, on va voir ce que vous arrivez à me sortir. Alors, voyons voir un petit peu, je descends. On va aller à peu près au début. Oh, il y a tellement de decks, les gars. Vous m'envoyez tellement de trucs. C'est infâme. Alors, on a quoi ici? Ça charge même pas. Ça a du mal à charger. Ah. Ça va. Ça va. Je regarde un petit peu. Ouais, du cochon. Ça défile de ouf. On a du golem. Du 2.6. C'est vrai qu'on n'a pas joué 2.6 aujourd'hui. Ouf, le deck de Snooksy. Ouf, celui-là il me plaît. Celui-là me plaît. Si je gagne avec ça, les gars, je veux vous m'exploser la barre des pouces bleus. C'est clair. Parce que j'ai peut-être des rushs, mais si je gagne avec ça, ça rattrape tout. Hop. On va copier le deck. Ah, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Y a pas de gros sort, faut vraiment cycler comme un grand malade. On a très peu de défense. Oh là là, si je gagne avec ça, les gars. On est contre Emre de France Evo. C'est parti, bonne chance. On va commencer, hein. Allons-y, hein. S'il a une tornade, par contre, du rage, hein, je vous le dis. Oh, il s'est loupé, tout va bien. Bon, il a quand même une tornade, hein, donc ça me plaît pas quand même pour la suite de la battle. Mais... il s'est loupé. Donc ça nous fait des dommages sur la tour. Et là, on peut carrément mettre la pression sur le côté gauche aussi. Je pense pas qu'il ait la tornade là déjà. Ok, il a un gang. Bonne info. On n'a pas pris trop cher, on arrive à défendre. On va regratter sur la tour. Petit esprit en plus. Je tryhard. Hein. Je tryhard. Là, je pense pas qu'il allait l'élixir. Oh oui, parfait. Oh, ça gratte tellement! Oh là là, ça c'est ce que je veux voir. Ça me plaît.
La bûche. On n'a pas besoin de défendre ça non plus. Un esprit pour aller gratter. On est en train de le faire. Hein. Je veux pas balancer. On est en train de le faire là. On regratte pas mal. Mais là, ça risque d'être un peu chaud là. Parce qu'il y a du monde qui arrive. Oh, il y a beaucoup de monde qui arrive. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Il y a énormément de monde qui arrive. On a pris la tour, j'avais pas vu qu'on avait pris la tour, on défend parfaitement. Les gars, on va le faire. On va le faire. 15 secondes. Oh, ça va passer les gars. Oh là 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 là. Ça passe. Là, franchement, c'était une belle game. Là, ça rattrape tout. Ça rattrape tout. Plus 30 toi. Ouh. On lui a mis une pression de malade. Une pression de malade. On a gagné avec ce deck. Hein. On a gagné avec ce deck, les gars. Qu'on soit clair. Merci à toi, Distorsion D pour ton don. Continue comme ça, t'es le meilleur. Merci à toi, frérot. Merci pour ton don. Ouh. Alors, vous avez quoi d'autre en stock? Vous avez quoi d'autre? Alors, voyons voir un petit peu. Donnez-moi un peu de challenge, là. C'est trop facile, vos trucs. C'est trop facile. Alors, attendez, ça charge. Il y a tellement de messages. Il y a tellement de messages, les gars. C'est n'importe quoi. Regardez ça. Regardez la vitesse à laquelle ça va. Arkix. Oh, celui-là, il est pas mal. Un petit Arkix avec le géant squelette. Alors, je crois que je l'ai perdu. Ah, il est là. Ok. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il a l'air bien. N'hésitez pas, les gars, à mettre des pouces bleus. Évidemment, je vois qu'on est bientôt aux 5000. Ça serait cool de les taper avant la fin du live. Si vous kiffez, ce concept et que vous voulez que je le refasse, notamment. J'ai pas regardé le deck. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ouais, peut-être qu'on peut se faire ça de temps en temps. Ça peut être sympa, je pense. Petit poison pour aller gérer la princesse déjà pour commencer. Ok, il y a du golem en face. Je propose, en vrai, un Arkix là, ça peut le faire, non? À moins que ça prenne l'aggro sur le golem. Oh, parfait. Parfait, mais les gars, la maîtrise. La maîtrise. Qui va mettre un petit géant squelette juste là. Ah, colis. Colis un peu tard, mais colis quand même. Je me suis peut-être un peu précipité là, j'avoue, avec l'Arkix. J'avoue, j'admets. J'aurais pu tempo. Parce que là, du coup, on a pris cher. On va laisser un petit peu faire. Oh, je peux rien faire. On va laisser. En vrai, on va laisser. Tant pis. Oh, il a un deck qui n'a aucun sens lui aussi. Hein. Il a un deck golem princesse. Je vais mettre un push à droite, je pense. Ok, il part aussi à droite. Parfait. L'Arkix qui va faire le boulot.
3 bombes, on va blinder. Alors, comment est-ce qu'on va faire passer ça? Telle est la question. Ok, comme ça. Genre maintenant. Genre tout de suite. Poison. Parce que là, il peut pas aller chercher l'Arc-X. Connect. Non, pas là-dessus. Ah, il faudrait. Non, non, on n'aura pas le temps. Dommage. Dommage, j'ai trop forcé au début, je pense. Je pense que c'était prenable. Honnêtement, je pense que c'était prenable. J'ai trop forcé au début. Et après, après j'avais que l'Arc-X pour faire les dommages sur la tour. Donc, j'aurais pas pris la deuxième tour, quoi qu'il arrive. GG. GG. Alors, est-ce que vous avez autre chose pour moi? De l'Arc-X, c'est fait. Je me suis fait rouler dessus. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose? On a... Ah, il y a le fameux... Ah oui, non, attends. Ça, je l'avais vu tout à l'heure. Le fameux golem... non, pas golem. Méga chevalier. Avec le PK. C'est bien ça, non? Méga chevalier, PK. Oh, oula. Ah oui, non, Mathieu. Ah oui, 6.1. Vas-y. Vas-y, le 6.8. Le 6.8, on le tente. Le 6.8, les gars, on le tente. Ok, voici mesdames et messieurs un deck à 6.8. Est-ce que vous pensez que je gagne avec? À vos paris dans le chat. J'ai plus d'eau, c'est terrible. On va tout donner, on va tout donner. J'ai plus d'eau. Alors, j'ai eu des dons. J'ai eu ouais, un petit don de Matt, merci à toi Matt. Hashtag j'ai été bloqué du Discord pendant une heure et je sais pas pourquoi. Sinon ton live est cool, continue comme ça. Je sais pas pourquoi Matt, il y a peut-être... je sais pas, je peux pas te dire. C'est pas moi qui gère la modération. C'est peut-être que t'as posté, t'as posté des liens qu'il fallait pas ou au mauvais endroit et du coup t'as des bots qui t'ont ban. Non mais attendez, vous me dites non là sur le chat? Vous croyez pas en moi? C'est une honte. C'est une honte les gars. Vous allez voir si je gagne pas avec ce deck. Vous allez voir si je gagne pas avec ce deck. Vous mettez au défi là, ça va pas du tout. Alors. Commencez par tempo. Vous allez voir si je gagne. Mais d'où je gagne pas avec ce deck? Défaite 3 couronnes. Tu vas voir. Tu vas voir défaite 3 couronnes. La bombe qui va prendre l'artificière. Tu vas voir défaite 3 couronnes. Vous dire mais tu vas perdre. Tu vas voir si je vais perdre. Regarde, est-ce que je suis en train de perdre là? Est-ce que je suis en train de perdre? J'avais pas vu, on a foudré. On a foudre et roquette, très bien. Est-ce que je suis en train de perdre là monsieur? Est-ce que je suis en train de perdre là monsieur? Là je suis dans la merde par contre. Là j'ai un PK qui arrive, j'ai rien pour défendre. J'ai la cabane éventuellement. Ah. Ok. Est-ce que je suis en train de perdre là monsieur? Je suis dans la merde parce que j'ai plus d'élixir mais... Je suis devant. Je suis devant. Ok. Je tryhard ma vie, hein, vraiment. Pompe. La pompe qui est posée. Foudre. La foudre qui est posée. Mais ça veut dire, monsieur, que vous n'avez plus rien pour les trois mousquetaires. Eh oui. Et ça, t'y as pas pensé.
J'ai pas le temps de caler. On va mettre un PK devant. La foudre qui tombe, bien évidemment. Bon, il a bien géré la défense, j'avoue. Oh, quoique. Mousquetaire qui est là, mesdames et messieurs, la mousquetaire. Sur le côté gauche. Est-ce que je suis en train de perdre, là, monsieur? Est-ce que je suis en train de perdre? La réponse, bien évidemment, c'est non. On prépare la défense. Et vous savez ce qui va arriver. Vous le savez très certainement ce qui va arriver. La roquette qui est partie. Méga chevalier. Le méga chevalier. Est-ce que je suis en train de perdre là, monsieur? La victoire qui tombe. Eh oui, les gars, je vous l'avais dit, ne me mettez pas des défis comme ça. Alors, c'est qui le patron maintenant? C'est qui le patron? Fouh! Plus 30. Ça fait plaisir. Ça j'apprécie. On est en train de... Vous avez vu avec les... Je veux pas balancer, les gars. Vous avez vu les decks avec lesquels je suis en train de rush. Hein. On est bien d'accord que je suis en full des rushs depuis tout à l'heure en prenant des bons decks. Vous avez vu les decks avec lesquels je rush. On est bon. Ça n'a aucun sens. Alors... je pense que je vais prendre un petit dernier deck. Vous en pensez quoi, les gars? Un petit dernier pour la route. Ça fait 3 heures qu'on est en live, du coup je pense que ouais, on vient de passer les 5000 en plus, pouce bleu, merci à vous. On va prendre un petit dernier deck. Envoyez-moi tout ça. Alors, oula, oh la vache, le deck de Edward. Mais il coûte combien, lui? 6.5, non mais il est... par contre c'est impossible. Vous avez quoi d'autre? On a du ballon ici, ouais. Oh, on a le mineur rapide clonage. Envoyez-moi des challenges là un petit peu. Là, c'est trop facile, les gars. C'est trop facile. Le deck de Adeline, il est pas mal en vrai. Le petit cimetière comme ça, il peut être sympa. Oh, le full sort. Non, le full sort, on l'a déjà fait. C'est pas une bonne idée. Le full sort, c'est plutôt une mauvaise idée. Le mortier. Ah ouais, Snoxy, on a déjà joué un T-Deck. Snoxy, on va essayer de tourner un peu. Le deck là de Tarba, Tarba Yaya. On va y voir un petit peu. Celui-là, il a l'air pas mal. Celui-là, il a l'air pas mal du tout. Comme on les aime. Hop, je vais prendre le deck. On va envoyer ça juste ici. Ok. Celui-là, il a l'air pas mal. Alors, le petit détail, c'est que j'ai pas les légendaires au niveau max, mais c'est pas grave. On va le tenter comme ça. C'est parti, let's go. On va voir ce que ça donne. Ok, on va commencer par la horde. J'ai un petit peu rien d'autre pour aller défendre le cochon. Ouh! Allez, ça serait cool de finir sur une victoire quand même. Tesla, j'ai pas trop le choix. Vu qu'on joue un deck pas ouf. Admettons-le. Ok, sorcier qui est là. Il va y avoir une boule de feu, très bien. Pour l'instant, en tempo, on n'est pas trop mal. On va partir, je pense, avec un zapif en map. On peut se le permettre. Bûche. Ok. Tant qu'on n'est pas en double élixir, en vrai, ça va être très tendu. Ça va être très très tendu. Ok, il va bien défendre. Et là en plus avec la T2. Après c'est une bonne info. Hein.
C'est une très bonne info la TDE. On va pouvoir mettre une horde au milieu pour aller bait ça. Il y a moyen de faire un truc. Ah, j'avoue, le mini PK au pont, il me fait un petit peu mal là. Il aurait fallu que je tampon encore. Quitte à pas jouer en vrai. Je tryhard, hein. Je vous le dis. Je veux la win. Je veux la win. Je crois qu'on va quand même avoir la bombe sur la tour là. On a eu la bombe sur la tour. Je suis vraiment en tryhard. Même pas je réagis. Je suis vraiment en mode. Faut qu'on la gagne. Ah dommage, un poil trop tard. C'est Tandax. C'est Tandax. Je pense que là j'ai pas le choix. Je pense que là il va falloir que je cycle. Non, j'ai pas la bûche en main. On peut pas finir sur une défaite. Non. On peut pas finir sur une défaite. J'aurais dû, tout à l'heure quand j'ai dit que j'aurais dû m'arrêter de jouer, j'aurais dû attendre le double élixir avant de, plutôt que de mettre un truc dans le fond du terrain. Ouais, je suis désolé, hein, je connais pas la stratégie pour ce genre de deck. Je découvre au fur et à mesure. On peut pas finir sur une défaite. C'est mort, je refuse. On finit sur une victoire, c'est le minimum. Oula, il y a du full bâtiment. Est-ce que vous voulez... Alors attendez les gars. Non, c'est pas ça que je voulais. Me perds pas le deck s'il te plaît. Est-ce que vous voulez... Parce que j'ai souvent cette requête. J'ai souvent cette requête de faire du full bâtiment. Est-ce que vous voulez qu'on fasse du full bâtiment ou pas? Ça va pas être une battle incroyable, du coup je le fais pas en vidéo. Enfin je fais pas une vidéo entière là-dessus parce que ça serait vraiment insupportable de regarder un quart d'heure ça. Est-ce que vous voulez qu'on tente une battle en full bâtiment? C'est vous qui choisissez, vous me dites dans le chat. Alors oui. Ah, grosse majorité de oui quand même. Grosse majorité de oui, ok. Je veux bien tenter, je veux bien le tenter. On va voir ce que ça donne. Allons-y. On va voir. J'ai aucune idée, hein. J'ai vraiment aucune idée. Si ça peut fonctionner ou non. Oh mais les gars, mais ça va être un bordel par contre. Ça va être un bordel sur la map. Il va y en avoir de partout. J'allais dire on met des bâtiments, mais on a que ça en fait. Donc par contre faut que je commence à mettre des spawners. On va perdre la tour. J'aurais dû mettre les spawners avant. Je les avais pas en main de départ. Je vous ai dit, je suis désolé, les stratégies, je les connais pas avec ces decks là, je découvre. Bon, du coup, on va se mettre à gauche. Et on va construire un bordel monstre sur le côté gauche. Ok, pour l'instant je tempo. Je crois pas qu'il ait de gros sort en vrai. Il a pas l'air d'avoir de gros sort. Tour de l'enfer pour aller gérer ça, ça me paraît pas mal. Ok. Cabane de gobelins. On va avoir une minute, ça va pas être beaucoup, hein, je vous avoue. Cabane de barbare, vite.
défend ça ici. La fournaise. Oh, il met la pression. Hein. Il me met la pression. Ouais, je pense que là, les gars, je veux pas vous décevoir, mais on va pas la gagner, celle-là. Je vois pas comment on peut passer. Ah non, c'est mort. En plus, il a P.K. et Méga Chevalier. On n'a pas de bol, en vrai. En vrai, on n'a pas de bol parce qu'il a P.K. et Méga Chevalier. Ce que personne ne fait dans la vraie vie. Mais malheureusement... Non, je sais pas si on pouvait la gagner, celle-là. Bon, bah du coup, un autre deck. Hein. Je vous ai dit, je ne finis pas sur une défaite. C'est mort. C'est absolument mort. Ouais, full bâtiment compliqué là, je vous ai dit, en plus avec deux tanks pour passer, bonsoir. Ah non, on doit finir sur une victoire, on doit finir sur une victoire. Alors, vous m'envoyez quoi? On a du double heal, ouais. Le GR, on l'a vu tout à l'heure. Oh, celui-là, il est marrant, de John. Attendez, celui-là, il est marrant. Le deck de John, il est marrant. Regardez. On a des gros tanks. On a des gros tanks et on a des cartes rapides. Donc, au final, on peut quand même cycler. C'est pas trop lourd, mais on n'a rien. J'ai débranché mon casque. Je disais donc, on n'a rien pour vraiment... pour vraiment défendre, en fait. Attendez, je rallume mon casque. Ça a tout cassé, du coup. Voilà. En vrai, ça peut être marrant. Si on gagne avec ça, ça peut être marrant. Allons-y. On est contre Mehdi. Pourquoi est-ce qu'on tombe que contre des Français ce soir? C'est incroyable. Ok. On va défendre ça comme ça, on n'a pas trop le choix. Vas-y, molosse de lave. C'est impossible que tu gagnes. Non mais on va gagner de toute façon à un moment donné, peut-être. Là on peut faire un truc sympa en plus. C'est qu'on a le petit esprit de guérison qui va nous mettre ultra bien. Par contre on a rien. Ouais, le molosse on va l'éviter en vrai. On a rien pour aller supporter le molosse, donc il faut qu'on évite de le jouer. Je pense. Il faut qu'on arrive à mettre un push. Attention, je vais dire un truc très peu usuel. Il faut qu'on arrive à mettre un push golem, méga chevalier, P.K. Ok. Je pense pas que j'ai besoin du P.K. en défense. Là on est un peu coincé. J'ai pas envie de jouer en vrai. Et je pense que je vais pas jouer. C'est ce que j'ai pas fait tout à l'heure en fait. Tout à l'heure j'ai voulu jouer quand même. Voilà, comme ça là il met le P.K. et du coup moi je peux répondre. Et j'ai pas besoin de balancer un molosse dans le vide. Parce qu'un molosse dans le vide ça fait quand même un ça fait quand même un petit peu mal. Ça me paraît bien. Ok, là on est parti avec le push. Vite, faut pas qu'on perde la tour. Et on a perdu la tour. Ça c'est pas le bon bail. Ça c'est pas le bon bail du tout. Il y avait de l'idée dans ce que j'ai fait, mais le problème c'est qu'il nous a pris la tour. Et ça, c'est ultra relou. Non, on va pas passer, je pense. On va pas passer, c'est dommage. On aurait pas perdu la tour, on aurait peut-être pu faire un truc.
Faut que j'arrête de prendre des decks comme ça. Non mais si je veux terminer le live les gars, il faut que j'arrête de prendre des decks comme ça. De prendre des decks comme ça. On va prendre un deck sérieux les gars. Parce que là en plus on dérush. J'oublie là. J'ai tellement dérush. J'oublie l'aspect des trophées. Mais au bout d'un moment, ça serait bien de pas trop en perdre non plus. Là j'ai quand même perdu pas mal là pour l'instant. On va terminer avec un deck correct parce que là faut arrêter. Là faut arrêter le massacre. C'est terrible. On s'est chauffé. Putain, on a fait des belles victoires quand même avec certains decks. Et au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises. Et je veux une victoire, bordel. C'est pas si compliqué que ça. Alors, on a quoi Ah, le PK Ballon, c'est pas mal ça. PK Ballon, il est où? Oh, je perds les decks. C'est tellement un bordel, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais moi, pour trouver les decks, pour regarder et trouver les decks et les copier, c'est un bordel. Là, le ballon, il est là. Il est là, il est là. Skyplay. Ok. PK Ballon. Normalement, si je me suis pas planté de deck. Ok, c'est ça. Ça me paraît correct. On devrait pouvoir faire un truc avec ça. Allons-y. Ok, on est contre Jordi. Ok. Méga gargouille dans le fond du terrain. Tranquillement, on a de quoi défendre. Je préfère ce genre de deck, hein, on va pas se mentir. Je me tâte à lancer un ballon là. C'est peut-être un petit peu tôt. Je sais pas ce qu'il a en défense. Ok, méga gargouille ici. Je pense qu'il doit... Ouais, il joue un logbait classique en vrai. Du coup, il doit avoir... logiquement, il doit avoir la TDE et la roquette. Je pense. Pour l'instant, on gratte aux flèches à gauche. Hein. Vraiment, c'est tout ce qu'on fait. On effleure un petit peu la tour petit à petit. J'avoue, c'est un level 11, j'avais pas vu. Ah, là, si on perd cette game, les gars, c'est terminé. Hein. J'arrête ma carrière, malheureusement. Ah, il joue bien. Hein. En vrai, il joue bien. En vrai, il joue bien. Je pense on peut le tenter, hein, mais à mon avis, on va se prendre une TDE dans les dents. Très, très rapidement. Ouais, ou la roquette. Sans surprise, ok. On attend de doubler l'élixir et on va partir avec un PK fond de map. On a toute la défense possible et imaginable hein, pour son fût normalement, donc ça devrait pas être un problème. Ça c'est, on avait vu venir aussi. C'était évident. Et là le truc c'est qu'on va construire une méga contre-attaque à gauche. On a le fût à chaque fois en plus. Non, il me gratte à chaque fois, c'est terrible. Hein. Il va avoir la roquette, mais voilà, s'il la met sur le ballon, du coup, il est complètement dépassé à gauche. Ah, la tour qui va tomber, easy. On est très bien. Là, en vrai, on est très très bien. Et on n'a plus qu'à balancer un PK à gauche. Et là, on a juste à full def. Et normalement, ça devrait être la win. Je pense qu'il le sait. Tout de suite, ça va mieux quand on joue des decks corrects. Attendez, mais je regarde plus l'écran du coup, mais je suis débile. J'aurais pu perdre là-dessus. Good game. Well played. Voilà, on a notre victoire pour terminer, les gars. On a notre victoire. C'est incroyable. Ouh! Et ça aurait été un long live hein, finalement, on aura poussé à quasiment 3h30. Donc écoutez, c'est très très cool. Moi je me suis bien marré. J'espère que le concept vous a plu en vrai. Que je prenne vos decks comme ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et si ça vous a plu en vrai, dites-le moi. N'hésitez pas à me le dire comme ça. On refait ça, on remet ça régulièrement. Je pense que ça peut être très cool. Alors malheureusement aujourd'hui on a un petit peu des rushs. Bon, même si au final des rushs ou des... Enfin, des rushs ou rushs, on s'en fiche un petit peu. Tu vois, le but c'est plus que je joue vos decks. Mais bon, on essaiera la prochaine fois de rush un peu. Et en tout cas les gars, je vous invite pour terminer.
si on peut faire un petit arrivage là sur le serveur Discord avant de terminer, parce que je rappelle que ce live est sponsorisé par Discord. Du coup, vu que je cherchais un moyen de mettre en place le fait de récupérer vos decks, ce qui n'est pas forcément évident, du coup, j'ai eu l'idée de passer par Discord, et une pierre deux coups, du coup, le live est sponsorisé par Discord. Ça permet de soutenir la chaîne et en même temps de faire un événement qui est cool. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à rejoindre le serveur Discord si ce n'est pas déjà fait, pour soit des prochains lives comme ça où on fait la même chose, soit tout simplement pour kiffer le serveur. Il y a plein de trucs, il y a plein de salons, je vous invite à aller jeter un œil, c'est vraiment très cool. Et comme le dit Azot, on est déjà plus de 9000 sur le serveur, donc bientôt 10 000. Et je vous avoue que les 10 000, j'aimerais beaucoup les atteindre. Les 10 000 sur Discord, j'aimerais énormément les atteindre. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, ça me ferait grave plaisir. Voilà les gars, du coup on va conclure là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas les pouces bleus. Ça fait toujours plaisir de vous abonner pour pas louper les prochains lives et les prochaines vidéos qui arrivent. Il y a des trucs cool qui arrivent, hein. Ne vous inquiétez pas, je prépare des choses très sympathiques. Et voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé. Bonne nuit à vous, bonne soirée, reposez-vous bien. Et à très bientôt du coup. Pour de prochains événements. Voilà, un grand merci et bonne soirée à vous. Salut.